tous les quatre, la fameuse équipe de Channel Fear, dans votre minivan. Ok, vous avez un minivan type fourgonnette Volkswagen, que vous verrez un peu plus tard, qui est la fourgonnette Volkswagen de Channel Fear. Il y a écrit Channel Fear sur le van, à droite et à gauche. Il y a derrière, dans le coffre, tout le matériel de l'équipe de tournage. Et vous allez de mission en mission avec cette fourgonnette qui sert à la fois de régie, etc. Et vous êtes parti sur les routes du Maine vers un endroit qui est quand même dans le trou du cul du monde. Enfin, le trou du cul du Maine. En fait, la première chose que je vais vous demander, c'est qui est au volant de cette fourgonnette. Moi, je vais conduire. C'est Matt. D'accord. Donc Matt, tu conduis. Qui est à ta droite? C'est moi, c'est moi. David. Ok. Donc à l'arrière, il y a les filles, quoi, à l'arrière. Ouais, Ouais. y a Lisa et moi, oui. D'accord. Ça va, Lisa? T'as pas le mal de voiture? Non, non. Peut-être un petit mal de tête, mais c'est tout. Alors, pour mieux visualiser chacun d'entre vous, puisque certains ressemblent et d'autres un peu moins, vous allez vous présenter les uns après les autres. Donc, on va commencer par les filles, hein, l'honneur aux dames. Donc, Lisa. Ben moi, je suis une jeune femme assez mignonne, même si ça se voit peut-être pas à la caméra, mais enfin là. Mais Voilà. T'as eu une mauvaise nuit, hein, Lisa, j'ai l'impression. Ouais. Très tranquille, très posée. Souvent avec de gros écouteurs, enfin un gros casque comme ça. Bon, là, j'ai décidé d'être avec vous. Mais ça m'arrive très souvent d'écouter ma musique très très fort, même pendant les trajets. Là, actuellement, là, j'ai fait un effort, je l'ai pas mis. Ok. Donc à ta droite, qui est avec toi à l'arrière? Je suis une jeune femme aussi, assez mignonne, hein, assez sexy. J'avais prévu de faire une carrière d'actrice, mais bon, me voilà ici sur Channel Fear. C'est passionnant comme sujet. Faute de devenir une actrice célèbre, je vais devenir une journaliste célèbre. Donc, je suis très excitée par cette nouvelle carrière et j'espère bien aboutir à mes fins. Très bien, donc sur le siège avant du côté passager, nous avons David. Ouais, David Mitchell, donc moi je viens de Los Angeles. On sent que j'ai une certaine aisance quand même. Je suis prodexé de cette émission que j'ai menée jusqu'ici. Et je suis là pour que cette émission finisse bien. Voilà, je crois que ça suffit, vous me connaissez suffisamment. Voilà, c'est pas la première enquête qu'on fait. Donc je crois que j'ai pas besoin de pousser plus loin la démonstration. Alors, à côté de notre ami David, il y a au volant ce cher Matt. Matt Devreux, jeune homme fringant new-yorkais d'origine, qui a fait ses classes aussi à Los Angeles, passionné de montage de cinéma, de documentaire. Je suis régisseur sur Channel Fear, donc je gère un peu tout ce qui est câble, console, lumière, etc. avec Lisa, l'ingé son. Et on essaie de faire des belles émissions avec Émilie, présentatrice de l'émission. Moi, je suis super content d'être là. J'espère qu'on va encore faire une belle émission, quoi. Oui. Ok. Ça va être super. Vous êtes donc tous les quatre dans ce van depuis un certain temps. Ça fait au moins 2 heures que vous roulez. Matt, tu cherches une radio, mais il n'y a que Radio Oxville. Radio Oxville, qui est la radio de la ville où vous vous rendez, qui est donc un peu un coin reculé du Maine. Lisa, toi, tu commencerais à bien avoir envie d'aller aux toilettes là. Toi, ma chère Émilie, tu as une petite faim. Quant à toi, mon cher Matt, remarque que
L'essence est en train de baisser dans la voiture. Ah. Et je dirais même que c'est un peu étonnant parce que tu pensais avoir suffisamment d'essence pour arriver à Oxville, qui est pas très loin, c'est à moins de 100 km de là où vous êtes. Hein. Donc voilà, et puis à un moment, à la radio, vous entendez ça. Hey, il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Ouvrez les fenêtres, préparez-vous à danser avec la tempête, car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. Alors un petit conseil, avant de vous lancer dans la nuit, gardez l'œil sur le ciel et soyez prudents, on sait jamais ce que Dame Nature nous réserve, non? Bon, parlons d'un truc plus fun maintenant. Vous avez entendu parler de l'équipe Channel Fear, qui squatte à la maison Hawthorne, hein? Ouais, je crois qu'il faut vous préparer pour des frissons, car ils vont traquer les fantômes et dévoiler le secret de cette baraque hantée, à mon avis. Et maintenant, une petite dose d'humour pour vous mettre en forme. Vous avez suivi le concours de courge cette année, ouais. Vous avez entendu, bien sûr. Apparemment, ils sont à la recherche de la courge la plus terrifiante. Franchement, je me demande à quoi ça peut ressembler. Alors, mes chers auditeurs, on continue à mettre le feu sur Radio Oxville avec des sons qui déboîtent. Restez avec nous pour une soirée qui va vous faire vibrer. Prenez soin de vous aussi. Évitez les courges effrayantes, hein? Allez, à bientôt, c'est parti. Et vous êtes sur cette route, en pleine forêt, où il y a quelques réverbères. Matt, d'ailleurs... Ça commence à cogner. Ouais, il pleut bien. Et Matt, tu... L'orage grossit et Matt, tu remarques que de temps en temps, il y a un réverbère qui clignote un peu comme s'il y avait des problèmes d'électricité. Et effectivement, la jauge est bien descendue, quoi. Et Matt, on n'arrive pas bientôt ? Ouais, y a pas une station sur la route ou un endroit où je pourrais aller aux toilettes ? Bah attends, j'espère bien parce que là, il reste 100 bornes et c'est bizarre, on a quasiment plus d'essence, là. Il me semblait que j'avais fait le plein il y a pas longtemps. Ça consomme, hein, mais là c'est bizarre quoi. J'espère qu'on va se trouver une station. Ouais, ça serait bien qu'on se retrouve pas paumé là au milieu. Ouais. Bah, carrément. Ouais, puis j'ai un petit creux moi. Attends, vaut mieux qu'on roule là pour l'instant. Si on se trouve une station, il y aura de quoi manger un truc. Et bon, Lisa, tu veux qu'on s'arrête? T'as envie de. Je regarde mon portable s'il y a quelque chose dans le coin là. Je fais station service. Sur un Wise local. Alors écoute, tu regardes ton portable et tu vois que t'as presque pas de réseau en fait, ça passe pas. Ah putain. Par contre. Ça c'est le problème de ces trucs de plug. Par contre, il y a de la lumière qui commence à apparaître un peu plus loin sur la route. Ah. Et. Attendez, ça y est. Ah super. Ah, quelque chose. Vous voyez apparaître. Parfait. Ah ça tombe à pic. Station service. Cette station service, c'est comme vous le voyez. Ouais, pas très en forme, elle est un peu délabrée, il y a de la lumière à l'intérieur, il y a deux pompes, sur le côté de la deuxième pompe, il y a une Harley Davidson, il y a un bâtiment qui est à côté de la station, aussi, qui a l'air d'appartenir à la station, mais qui est un peu dans l'obscurité, et le long de la station, à peu près là où il y a l'arbre, là, il y a une voiture qui est garée. Ah, les gars... C'est une émission là-dessus qu'il faut faire, elle fait flipper cette station. C'est clair. Ouais, bon, l'essentiel c'est qu'il y ait de l'essence et des toilettes, non? Donc, ouais, allez, alors n'oublie pas l'état des toilettes, les filles. Hein. Ouais. M'en parle pas. Un cauchemar. Parce que je m'en fous, j'ai tellement envie d'aller aux toilettes que rien ne m'arrêtera. Ah bah, c'est le moment là, de toute façon. Moi j'y vais pas, hein. Mais Lisa, tu veux un Mars? Alors, Lisa est sortie de la voiture, elle est sous la pluie actuellement. Ouais. Ah, moi je sors aussi parce que je vais me chercher une barre chocolatée. Ok, alors attendez, on va faire un petit tour de table. Lisa, tu sors pour aller dans la station. Okay. Ouais, je vais un peu dans la station. Qu'est fais-tu, Emily? Je sors aussi pour aller dans la boutique. Tu sors pour aller dans la boutique, d'accord, je te laisse te diriger vers Lisa donc. Matt? Bah, moi je vais m'occuper de l'essence. Hein. Ok, donc tu vas faire la plein. Okay. Hop, tu as fermé la radio donc. David, tu fais quoi? Moi je vais suivre Emily là, je vais dans la boutique essayer de choper quelques trucs pour la route là. Ok, je vais m'occuper de ceux qui rentrent dans la boutique. C'est-à-dire tous les trois à part Matt.
Vous êtes dans une boutique. Putain, quel temps de chien de gueux, quoi. Il... Shit. Ah ouais, elle est bien. Bah dis donc. Dans cette boutique, il y a... Vous êtes rentré dans la boutique. Petite clochette. Dans cette boutique, il y a... dans cette station-service, vous voyez qu'il doit y avoir un certain nombre de fuites qui viennent du toit parce qu'il y a des flaques sur le sol. Je vais vous la décrire, puis après je vous dirai qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment une station-service comme vous en avez déjà croisé plein dans les coins un peu reculés des États-Unis, c'est-à-dire assez classique avec un coin boutique où il y a toutes sortes de choses à manger un peu dégueulasses à base de bars, céréales, de tout ce que vous voulez, chocolaté, de tout ce que vous voulez. Il y a un coin aussi hot dog avec du vieux pain et des vieilles saucisses qui trempent que vous pouvez faire chauffer. Il y a un coin avec de l'alcool. D'ailleurs, dans ce coin avec de l'alcool, il y a un gars que je vais vous montrer, qui est une espèce de vieux biker. Ok. Qui est en train d'essayer de... qui est en train de regarder au rayon alcool, différents alcools, et n'a pas l'air d'être fixé sur la chose. Il y a un comptoir avec d'autres barres chocolatées. Et il y a un endroit un peu particulier où il y a comme un présentoir où vous voyez des masques en latex qui sont posés, ainsi que tout un ensemble de trucs de merchandising. Masque okay. Un peu flippant vu d'ici, vu d'où vous êtes, on dirait que c'est des crânes. Et surtout, face à vous, il y a un type avec un balai qui est en train de d'éponger et qui porte un de ses masques. Et lorsque vous rentrez, il se retourne vers vous, il fait puis il enlève le masque. Et vous voyez que c'est un jeune type. C'est un jeune type avec les cheveux longs, un blond avec un t-shirt de Hard Rock. Il fait je suis désolé, je déconne, hein, je croyais que c'était des clients que je connaissais. Bienvenue, bienvenue. On est bien reçus chez vous. Où se trouvent les toilettes ici? Ah, les chiottes, c'est à l'extérieur, le petit bâtiment là qui est de l'autre côté de la. Juste là, là. Vous l'avez vu? Ah. Ok, merci. Tu peux y aller, hein. Bah, je vais y aller. Ok, donc toi, tu ressors de la boutique. Ouais. Ok, vous deux, vous êtes donc à l'intérieur. Moi, je m'adresse au biker derrière le comptoir, là. Ok, donc il est en train de chercher. Il est en train de chercher dans un rayonnage où il y a que l'alcool, ouais. Il ne calcule pas du tout, hein. Il lui regarde les bouteilles. Ouais, ça, j'ai... Hey, t'as quelque chose pour nous? Salut, c'est à toi la bécane dehors. Elle est pas mal, hein. Merci. Bon, il y a quelque chose pour nous en alcool, qu'est-ce que tu as ici? Je sais pas, vous aimez quoi? C'est... Moi je suis client, hein, je vends rien. Ah, t'es client toi? Eh ouais. Ah, mais j'ai c'est une super. Tête de vendeur ou pas quoi? Tu vas pouvoir nous aider, on est loin de la ville là. Quelle ville? Rockville. Faut demander au gamin, je suis pas du coin. Moi. Il retourne. Il se retourne et il continue à regarder ses trucs. Ouais, monsieur. T'es d'ici, tu t'occupes du magasin là? Ouais, c'est celui de mon oncle, mais je suis de soirée, ouais. Enfin, c'est moi qui fais les soirées, quoi. Ces masques trop flippants, c'est pour la fête de la cour, je suppose, non? Ah non, ça. Non, ça c'est. Ça c'est Moonface. Moodface. Ouais, c'est ça les masques, hein. Ouais, c'est l'histoire du coin, c'est ça? C'est une fête du coin? Oui, c'est une légende du coin, ouais. Vous avez... Tout le monde a... Et là, en fait, il te parle et tout d'un coup, il fixe Emily. Ouais. Elle est mignonne, hein. Vous êtes Emily Harper? De Channel Fear? Oui, c'est nous, on est l'équipe de Channel Fear. Oh putain, c'est trop fort ça, vous êtes Emily Harper. Vous êtes... Mais oui. Donc, et là, il se retourne et il y a une fenêtre en fait qui donne sur la station service. Il voit le car de Channel Fear. Il fait, c'est vous l'équipe qui va à Oaksville?
Putain, c'est génial! C'est génial! Il vient vers toi et il sort son appareil photo. Il fait, ouais, on peut faire un selfie? Mais oui, avec plaisir. Ah, Viens, c'est Matt, génial! On va faire ça, bien sûr. Ah, j'adore! J'adore! Mais c'est. Ah, attends, mes potes vont voir ça! Putain, c'est. Ah, vous êtes trop fort! Eh, j'ai vu l'épisode avec le Sasquatch là. Vous arriviez, tout ça, c'était un Sasquatch. Bon, à la fin, on se rend compte que c'est une vieille avec une peau de mouton, mais sinon, moi j'y ai cru pendant tout le truc, quoi. Pendant tout le truc, je me suis dit, y a un putain de Sasquatch. J'y ai cru là. Et des fois, ça vous arrive ou pas d'avoir des vrais trucs qui se passent, quoi. Ouais, on est tombé Ah sur des Ça vous trucs, mais arrive pas c'est un des peu fois? difficile à montrer là. Ouais, tout le temps, mais t'as pas Sérieux, idée, ça hein, vous c'est arrive? vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, c'est une sacrée aventure, hein. Oh là là, Hey, bah c'est d'ailleurs. trop bien, dis donc, j'aimerais bien. Il y a un téléphone qui sonne quelque part dans la station. J'aimerais bien. Attendez, on pourrait pas faire un genre une photo avec toute l'équipe devant le fourgon? Ouais, mais d'abord on va on va te faire ça, mais d'abord on va acheter quelques trucs là. Il me faudrait deux bouteilles de gin. Ouais. Attends, De comment gin, tu ah ouais. t'appelles? Bah je m'appelle Laszlo. Laszlo? Laszlo Mais attends, Maurice. t'étais en train de nous raconter un truc là sur le masque, sur la légende. Ah ouais, bah oui, Tu alors peux du nous en coup, dire bah plus? carrément, vous devriez faire un reportage dessus. Mais C'est ouais, c'est ça, en ouais. fait c'est en fait c'est une espèce de star locale quoi, Moonface. Moonface, Ouais, comme regardez la d'ailleurs, lune, quoi. oui, Ouais. là on fait un petit concours de photos et il vous montre effectivement il y a un tableau sur lequel sont affichées des photos. Alors il y en a certaines qui sont un peu comme ça. C'est des vues de la forêt avec des formes un peu bizarres. Donc en fait les gens ils sont persuadés que Moonface il est dans le coin, vous voyez, c'est une espèce de créature. Et on a fait un petit concours des gens qui disent que ils l'ont croisé, tout ça. Et alors là, après, ça sera doté. Parce que vous savez quoi? En fait, il y a Stephen King qui veut écrire un livre dessus. Et Non, ouais, et ça va peut-être même faire la une série. Alors là, il y a classe. des photos un Oh peu plus non. bizarres, hein. Comme ça, par exemple. Ah ouais, c'est un montage Ouais. ou quoi ça? Ah, c'est des gars du coin, ils sont un peu spéciaux, hein. Et il y a eux aussi, là. Ils nous ont fait un truc bizarre, là. Ah ouais, démence, c'est Ah démence. ouais, il y a de quoi faire ici, hein, Ah c'est. ouais. Et Et tu donc. sais quoi, on va t'acheter des masques là, hein. Finis ton histoire, finis ton Et histoire. Vas-y, là. raconte, pourquoi Moonface alors? Il y a un Alors. truc avec la lune? Non, c'est parce que à la base, en fait, le truc, c'est. C'est une famille qui habite dans la forêt. Enfin, c'était il y a un siècle, hein, donc ils habitaient une baraque dans la forêt. Et en fait, ils ont abandonné leur enfant, quoi. Hein, c'était une petite fille. Un peu façon le petit poucet, quoi. Ils avaient plus de quoi la nourrir, tout ça, ils l'ont abandonnée. Et en fait, elle a été récupérée, soi-disant, par des loups qui l'auraient élevée et tout. Et du coup, elle marche à quatre pattes et tout. Et après, elle a grandi, elle a grandi. Il paraît qu'à force de manger avec les loups, son visage s'était devenu comme des crocs et tout. Et en fait, à un moment, elle est revenue chez ses parents et elle les a mangés en fait. Et c'est là que les flics l'ont arrêtée et tout. Et elle est allée en taule et voilà. Et donc ça a fait C'est le. Il dingo! paraît que c'est une histoire vraie. Hein. Waouh! Incroyable! Et du Pendant. coup, elle serait encore dans le coin et elle mangerait les gens? Ou waouh, Ah, bah un truc dans le genre? ça, depuis longtemps. j'en sais rien, c'est déjà mon père me l'a raconté le soir, visiblement son père aussi. Enfin bon, bref, je sais pas si ça existe Parce encore. que. Ouais, c'est pas mal, hein. Pendant ce temps-là, à Nous. l'extérieur, Ouais. Matt. Bah, moi j'attends parce que j'aime pas trop laisser le van avec tout le matos tout seul dans ce coin-là. Donc j'attends que les autres sortent, quoi. J'aime bien ce qu'ils font d'ailleurs. Fais-moi un jet d'observer la situation. Ok. Tu es allé au niveau de la pompe. Et en regardant au sol, tu vois une petite tache sombre sous le van. Oh.
Oh putain, j'aime pas ça. J'essaie de me pencher puis de mettre le doigt quoi pour essayer de voir ce que c'est, m'en mettre sur le doigt. J'ai bah, t'as pas trop de doute, c'est de l'essence qui coule directement du réservoir qui est à peu près au-dessus. Merde. Putain. C'est pas vrai. Bon, va falloir peut-être que je mette le van dans un coin au sec, là, puis j'aille voir en dessous, quitte à colmater avec... Alors là, là où tu es, en fait, au-dessus de toi, il y a un abri, quoi. Il y a un paravent. C'est pas en... T'es au sec, là, en fait. Ouais. Ouais. Bon, bah... Je ferme le van à clé, puis je rentre dans la boutique, quoi, pour voir si le gars, il a pas un chariot, un truc où je puisse m'allonger, être au sec, pas patauger dans la... Dans l'essence et la flotte sous le van, quoi, pour aller voir ce qui se passe. D'accord. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs de garagiste, quoi. Alors, quand tu passes. Quand tu te rapproches de la porte s'ouvre et Lisa sort. Lisa, tu fais quoi? Je me rue aux toilettes, moi. Ok, donc. Oh, pardon. Tu peux descendre. Ça se passe ici, en fait, dans ce bâtiment qui est en bas. Lorsque tu passes, tu vois qu'il y a cette voiture sur le côté, qui a l'air d'être d'une Ford bleue, qui est garée. Et là, effectivement, le bâtiment où tu arrives, en fait, t'as deux côtés, homme-femme, et tu vois que c'est vraiment des toilettes, les toilettes officielles, quoi. Donc, j'imagine que tu vas du côté des femmes. Oui. Et du côté des femmes, tu arrives dans un... Dans une salle où il y a trois cabines de toilettes, dont les portes sont fermées. Mais j'en pousse une. J'en pousse une. Tu pousses la première qui arrive. Ouais. Elle s'ouvre, il n'y a personne dedans. Ouais, très bien, je vais faire mon affaire. D'accord. Fais-moi un jet d'observer la situation. Tu es installé sur les toilettes et à un moment, t'as l'impression d'entendre comme un soupir ou un murmure. Qui vient d'où? Sur ta gauche. Donc potentiellement dans une à côté d'une dans une autre toilette quoi. Ouais. Bah moi aussi je vais pousser un soupir. À l'intérieur de la station, vous voyez débouler Matt. Matt, tu, ouais, Matt. Tu vois donc tout ce que j'ai déjà décrit aux autres, tu en prends conscience. C'est deux personnes, donc le jeune homme qui est sur le côté, au niveau du comptoir, en train de discuter avec David et notre ami. Emily et il y a un gars genre vieux biker qui est au rayon alcool tout ça toujours et qui est là en train de faire ouais, ça c'est dégueulasse, j'avais déjà bu de ça, ça c'est vraiment de la merde et tout, et il prend une autre bouteille. Ouais, c'est la merde, je crois qu'on a une fuite d'essence, ça coule par en dessous, faudrait que je jette un oeil. C'est pour ça que c'était bizarre là que on a perdu autant d'essence, qu'on en est cramé autant. Bon bref, salut, je m'adresse aux jeunes. N'avez pas un chariot, un truc, je puisse, vous savez, les trucs de garagiste là, que je puisse aller en dessous le camion pour voir. Non, je peux vous filer une bâche si vous voulez, mais j'ai pas ouais, ça. Bah une bâche. Ouais, sinon si il y a entre ici et Oaksville, il y a un garage, mais là il est tard là. Vous avez du matériel de bricolage et pas du gaffeur. Enfin, moi j'en ai du gaffeur. Toi, t'en as du gaffeur, ouais. Ouais, la bâche, elle ira bien. D'accord. Il part un peu fouiller dans les étalages. Puis vous voyez qu'il y a un endroit où il y a genre des bâches, mais toutes neuves. Et il vous regarde, il déchire le truc et tout. Il en sort une. Il fait cadeau de la maison à Channel Fear. Ça, c'est sympa. Bon, je perds pas de temps, moi j'y vais direct, hein. Chaque goutte de perdu là. Allez, je suis dehors moi.
pars un peu saoulé. Tu sors. Carrément saoulé. Tu vas t'installer dehors sous la voiture ? Bah oui, je vais poser la bâche. D'abord, okay. Je vais voir le van, je vais chercher du gaffeur, un peu des trucs de bricolage, j'ai une caisse à outils. Ouais. Je pense qu'il me faut. À l'intérieur, vous faites quoi tous les deux ? J'ai l'impression que ça va durer un peu. Je vais me faire. Laszlo, tu me servirais pas un petit café ? Ah si, il y en a là. Bon, il est peut-être un peu dégueulasse parce qu'il est resté toute la journée dans la cafetière, mais j'en ai pour vous. Hein. Et il va. Il te fait signe de le suivre. Sur le côté, là, pas loin des hot dogs, il y a une station entre guillemets café avec des gobelets en plastique et une vieille cafetière. Et ça sent le taffé bien brûlé. Et il t'en sert plein bol quoi. Merci Laszlo. Et genre, j'en profite pour discuter avec lui. Je fais hey, mais alors, à part. Moonface, on dirait qu'il se passe plein de choses dans la région, puisque nous on vient pour, tu sais, la maison relatif. Hantée de Oaksville, House. Ah oui, bah ça ouais. J'en sais rien, ouais, peut-être, mais là, dans le coin, il se passe pas grand chose. Hein. C'est pas Los Angeles, hein. c'est pas New York, hein. c'est le Maine. Hein. Non, mais je veux dire autour des légendes, des histoires un peu étranges. T'as entendu parler de la maison? T'as des copains qui y sont allés pour jouer des... Ouais, je pense que c'est des conneries tout ça. Tu crois? Ouais, les maisons là, c'est une ville de vieux, Oaksville en plus, ils sont là avec leurs courgettes et tout. Qu'est-ce que tu veux que je me dise? Enfin bon, mais bon, après, je vous fais confiance. Attends, hein. C'est comme la fois là, avec l'OVNI là. Là, il y avait une soucoupe qui avait atterri dans le truc du vieux là. C'était trop drôle. Là. Le mec, il croyait qu'il allait rentrer dans la soucoupe et repartir avec l'extraterrestre. En fait, c'était un transistor. Bah si, là, c'est vous qui avez fait ça. Moi, j'y ai cru. J'ai cru qu'il avait vraiment trouvé une technologie extraterrestre. Ah, oui. En fait, c'était un grille-pain le truc. C'était naze. C'est l'épisode 5. Oui, ça me revient. Je pensais que tu parlais d'un truc. D'une abduction d'ici. Sujet de reportage. Mais non, dans cet épisode, il y avait un type en slip tout vert là. On aurait dit la créature de Roswell, oui, mais putain, c'était un intermittent du spectacle. Putain, les mecs, ils sont vraiment à la dèche quoi. Oui, des fois c'est drôle. D'accord, donc rien sur cette maison. Hein. T'aurais pas du croustillant dont on pourrait servir pour notre reportage. Ah non, désolé. Bon, tant pis, c'est pas grave, merci pour le café. Et par contre, tes masques qui m'intéressent là, on va en prendre 4 en souvenir. Ah ouais, mais par contre là, je peux pas vous en faire cadeau parce que ça coûte quand même cher, c'est quand même 25$ le masque. Ne t'inquiète pas, on va les acheter. T'as raison, Matt, on fera peur aux fantômes avec un Moonface. Alors, il te fait un petit sac avec 4 masques en latex qui sont quand même bien foutus. Hein. Et pendant ce temps-là, notre chère Lisa est dans ses toilettes. Au bout d'un moment, tu es obligé de te dire que tu as fini d'aller aux toilettes. Oui. Normalement. T'en inquiète pas. Bah, je sors tranquillement, je me lave bien les mains. Ouais. J'essaie d'écouter si j'entends encore de la. Enfin, s'il y a quelqu'un à côté de moi ou pas. Depuis que t'as fait un peu de bruit, ouais, t'as plus rien entendu. Ok. Bon bah je vais laisser faire son affaire aussi. Hein. Ok. Donc après tu ressors. Je vais ressortir, ouais. Ok. Et je vois Matt en train de galérer, je vais aller le voir. Bah tu vois Matt en train de. En fait tu vois pas Matt parce qu'il est. Il est sous la. Il a étendu une bâche et il est en fait sous la voiture. Toi, Matt, par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a en fait une fuite effectivement dans le moteur. Il y a une petite fissure. C'est pas une grosse fuite, c'est quand même une petite fissure. Et tu t'es dit que en essayant de sécher au maximum avec du gaffeur et tout, tu dois pouvoir colmater, faire le plein et sans doute faire au moins 100 bornes quoi. Parce que c'est pas non plus un trou énorme. Chier, putain. C'est pas une fissure comme si ça avait été pris un choc ou quoi, hein. C'est un truc un peu de métal un peu rouillé quoi. D'usure, ouais, faudra peut-être qu'on passe au garage. Si nous a parlé d'un garage là, bon, on va s'occuper de ça, mais bon. Bah, bon, allez, c'est bon. Ouais. Tu fais le plein ? Donc je ressors d'en dessous, je fais le plein. Ok. Je referme le van à clé et je retourne à l'intérieur. Oh non, je vois Lisa.
Ouais, moi j'ai des. Ouais, il y a Lisa qui vient vers toi, ouais. Elle revient de l'autre côté là. Eh hey, Matt, qu'est-ce que tu foutais sous le van, y a un problème? Bah ouais, y a une fissure dans une durite là d'essence, c'est pour ça qu'on perdait de l'essence connement. Alors j'ai mis du gaffeur là, j'ai bricolé un truc, mais je pense qu'il faudrait passer dans un garage. Bah pas grave, mais faudrait pas que ça se décolle ou que tu vois. Faut qu'on passe au garage dès que possible, quoi. Changer ça. Ok. Demain, quoi. À l'intérieur, vous voulez faire quelque chose de particulier ou vous voyez en fait par la vitre qu'ils ont visiblement Matt a fait le plein là. A fini de faire le plein. Non, c'est bon, moi je sors, je dis merci Laszlo pour le café. Hey, merci, hein. Merci. J'ai acheté les 4 masques. Hein, ouais, t'as 4 masques. Et une bouteille d'alcool. D'accord, c'était quoi que tu voulais déjà comme alcool? De gin. D'accord. Et moi j'ai acheté des Mars. 4 Mars. 4 masques et 4 Mars, très bien. Donc au bout d'un certain temps, vous ressortez et vous vous retrouvez tous les 4 à la voiture. Attends, je vais juste retourner voir le jeune, je dis... Il y a une station, un garage, tu disais là. Ouais, il est entre ici et Oxville, ça doit être à 50 bornes. Ah ouais, donc on va passer devant, mais là c'est fermé j'imagine. Ah, il y a des chances. Ah, bon, enfin, moi on l'aura repéré. Bon, ok, merci, c'est sympa. Écoute, bonne chance, bon courage, hein. À la prochaine. Il vous salue. Et j'y vais. Ok, tu mets le moteur. Maintenant. Ça tourne, la jauge d'essence est remontée. Ouais. Vous voyez Laszlo qui vous fait au revoir comme ça. Lorsque tu mets le moteur. Et vous reprenez la route? Ouais. Et bah ouais. Ok. Vous partez sur la route. Au fait, David, où est Doug? Qui c'est qui va tenir la caméra? C'est exactement ce que j'étais en train de me poser comme question. Je sais pas ce qu'il fout, hein, si vous voulez. Il va nous rejoindre pour... Bah, je pense qu'il va nous rejoindre, ouais. Bon, je lui ai laissé des messages, là, il n'y a plus rien qui passe, j'ai fait que ça. Ah. T'as encore pris une cuite, et j'espère bien qu'il va nous rejoindre. Ah, Matt, tu allumes la radio. Un peu fâché hier soir, avant le. Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu disputé hier, non? À disputer, il voulait continuer à picoler. Ouais. Oh. Hey, nous, on a une émission à faire. Il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Lisa? Ouvrez les fenêtres. T'as un peu envie d'aller aux toilettes avec la tempête, car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. Matt, il y a un problème avec l'essence. C'est vachement descendu. Gardez l'œil sur le ciel et soyez prudent. On sait jamais ce que Dame Nature. Tu vois, ma chère Emily, bon, parlons d'un truc plus fun. T'as la dalle. Vous avez entendu parler de l'équipe. Vous n'avez aucun souvenir de ce que vous avez fait à la station service. Je crois qu'il faut vous préparer pour les frissons. Ils vont traquer les fantômes et dévoiler les secrets de cette baraque hantée, à mon avis. On s'arrêtait là. Ouais, j'ai vu quoi ça va être, j'ai vachement envie de faire pipi. Apparemment, ils sont à la recherche de la courge la plus terrifiante. Franchement, je me demande à quoi ça peut ressembler. Est-ce qu'à côté de moi, il y a les masques? Alors, mes chers auditeurs, on continue à mettre le feu sur Radio Oxville avec des sons qui déboîtent. Restez avec nous pour une soirée qui va vous faire vibrer. Il y a de la lumière. Évitez les courges effrayantes. Et vous voyez une station service. C'est parti. Ah, parfait. Voilà. Il y a deux pompes, voilà. Il y a une Harley Davidson. La station est un peu vieille. Il y a de la lumière quand même à l'intérieur. Sur le côté, il y a une vieille Ford bleue. À droite, il y a un autre bâtiment. Voilà. Oh là là, la dégaine de la station. On ferait bien faire une émission ici, hein. L'essentiel, c'est qu'il y a de l'essence. Des chiottes et. Et un Mars. Et un Mars. Ouais. Vous arrêtez? Bon, allez. Arrête-nous là, ça fait la merde. Ouais. Bon, allez-y, moi je vais mettre de l'essence. D'accord. Alors, on va faire un tour. On va faire un tour de table. Portable. Matt, tu restes pour mettre de l'essence? Ouais. Lisa, tu fais quoi? Je me rue aux toilettes dans... Dans la station? Non, je vois un gros baraquement, je me dis que c'est sûrement là à côté. D'accord, donc tu pars là-bas? Ouais. Ok. David et Emily?
Ah bah moi je vais dans la boutique hein. Ok. Ouais, moi aussi. Je vais commencer par David et Emily. David et Emily, vous rentrez dans une station service assez classique des stations service américaines. Il y a un comptoir avec plein de barres de céréales et autres saloperies. Il y a un endroit avec des vieux hot dogs, des vieilles saucisses avec du pain rassis. Il y a même un coin pour le café. Il y a plusieurs endroits avec des bouteilles d'alcool. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a un gars en cuir avec les cheveux blancs qui est en train de choisir entre les bouteilles d'alcool. Il y a de l'eau qui a coulé du plafond un peu sur le sol et il y a un type qui se retourne et qui a un masque hyper chelou. Qui vous regarde et qui fait puis il enlève son masque, il fait oh putain je suis désolé et c'est un jeune avec les cheveux longs et un t-shirt de Hard Rock. Puis, je suis désolé, je croyais que c'était des habitués. Bienvenue. Waouh, quel accueil. Il y a une télé aussi dans un coin. C'est quand même ton truc. Terrifiant. Waouh. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ça c'est Moonface. Ouais. Effectivement, il vous montre un espèce de présentoir où il y a plein de masques et des mugs et des badges et un tableau avec des photos très très bizarres. Dément, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette légende locale? C'est super bizarre. Mais... Vous êtes Emily Harper? Oui, c'est moi. Putain, mais c'est journaliste dingue. Channel Fear, c'est toute l'équipe qui est là. Ah, c'est dingue, je pensais à vous il y a 2 minutes. Waouh. Ah, attendez, il vient avec toi et puis il prend son portable et il commence à faire un selfie. Ah ouais. Putain, ça c'est vraiment dingue, quoi. Bah, alors, bah, vous allez à Oakville, bah oui, forcément. Ah ouais, t'as entendu parler de cette maison hantée? T'y es déjà allé? Non, c'est des conneries, tout ça. Enfin bon, je sais. Ah, je vous ai raconté. Ah putain, l'épisode du Sasquatch là, ça faisait trop flipper. Sauf la vieille. Non, ouais. Enfin bon, c'est vrai qu'à la veille, c'était la vieille avec son manteau de fourrure à la fin, c'était un peu naze, mais sinon, pendant tout l'épisode, j'y ai trop cru. Ouais, c'était fun, hein, c'était fun. À l'extérieur. Avec à faire un selfie, non? Ah bah ouais, avec plaisir. À l'extérieur, Matt. Tu vas pour prendre de l'essence et tu remarques une tache noire. Sous la voiture, sous le camion. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Putain, je me penche, j'essaie de... C'est de l'essence. Ouais, merde. Faut que je trouve une putain de bâche. Je vais voir ça. Bon, je me dirige dans la station. Je ferme le van à clé. Tu rentres dans la station. Emily, tu traverses cet espace. Il y a une Ford qui est arrêtée. Assez ancienne. Lisa, pardon. Et tu arrives donc à un endroit qui a l'air d'être le coin où il y a les toilettes de la station. Tu avais vu juste. Tu vas des côtés des femmes, il y a 3 portes qui sont fermées. Ouais, je vais aller à celle du milieu. Ok, tu pousses la porte, il n'y a personne, tu t'installes sur les toilettes. Très bien. Et ah, chef pipi. Pendant quelques secondes, je pense que peut-être t'as entendu un murmure. Y'a quelqu'un? Ou un sanglot peut-être. Y'a quelqu'un? Plus rien. Je continue de faire pipi. Dans la station service, la porte s'ouvre et Matt rentre. Ça va Matt? C'est bon? Bah je crois qu'il y a une fuite d'essence, c'est chier. Oh. Salut, t'as pas une bâche ou quelque chose? Je puisse aller sous la voiture? Si, j'ai des bâches. Normalement, c'est à mon oncle qui les vend, mais attendez, pour Channel Fear, je peux faire un geste et tout. Il va dans un coin, et il prend un espèce de sac où il y a des bâches neuves et il la déchire. Ah, tenez, je la file. Merci. Ça, c'est cadeau de la maison, hein, cadeau de la maison. Oh, c'est super sympa. Moi, je tire direct. Me mettre sous le camion. Ok, donc tu ressors de la station service? Ouais. Ok. Moi je vais prendre un café si c'est ça. Hein. Ah bah il y en a là-bas, il t'amène dans un coin. Un téléphone sonne. Merci. Le vieux moi, est. Moi je vais au rayon alcool. Ah, au rayon alcool.
Il y a le vieux Kyriat. Ah, ça c'est de la merde ça. J'ai déjà pris des grosses cuites avec ça, c'est de la merde. Oh, mais qu'est-ce que tu nous conseilles là? Parce que j'ai l'impression que tout est de la merde ici. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je travaille pas ici moi. Non, mais tu consommes, non? Tu dis que tout ça c'est de la merde. Non, mais parce que c'est la marque là, tu vois, ça, c'est pas de la vodka là. Ça c'est. Là, il y a écrit, ça c'est fait, j'en sais rien, chez les Chinois là. Ça... La vodka chinoise, t'imagines le truc? C'est de la merde. À l'extérieur, Matt, tu reviens? Les outils, je colle Matt avec du gaffeur. Et Elisa, tu es toujours sur les toilettes? Ouais. Il n'y a plus un bruit depuis que t'as parlé. Une fois que j'ai fini, je sors. J'essaie de coller mon... Enfin, je me rapproche un peu de les autres portes pour voir si j'entends quelque chose. La porte sur ta droite, c'est-à-dire la première, tu vois que à peine tu t'approches, elle est un peu entrouverte et tu comprends que c'est vide. Et okay. Sur ta gauche, la porte est visiblement fermée, ouais. J'écoute. J'entends une respiration, quelque chose. Fais-moi un jet de observer la situation. T'entends une respiration, ouais. Tout va bien ? Madame, tout va bien ? Foutez-moi la paix, là. Vous avez raison, pardon. C'est une voix de jeune fille. Elle a raison, je vais foutre la paix, qu'est-ce que je fous ? Je me lave les mains et je sors. Ok, tu sors des toilettes, tu vois que Matt est en train de réparer quelque chose sous le camion. Enfin, sous la camionnette. Matt, tu... T'as vu qu'il y avait une fuite dans le moteur, une petite fissure. Je t'ai dit que peut-être tu pouvais la réparer facilement avec du gaffeur, ce que t'as fait. Et tu fais quoi, Matt? J'ai une fuite d'essence, c'est pour ça en fait. Je comprenais pas pourquoi on avait cramé autant d'essence. Donc, j'ai réparé, j'ai colmaté, mais faut que j'aille demander au mec s'il n'y a pas un garage dans le coin, on pourra aller. Parce que... On pourra peut-être aller jusqu'à Oaksville, mais faudra réparer ça proprement quoi. Et d'ailleurs. C'est la merde. Je capte pas, il est passé où, Doug? Bah, j'en sais rien, je sais pas, faut demander à David. J'ai l'impression qu'hier soir, la soirée était bien arrosée, quoi. Tu te souviens de rien, toi, de hier soir? Non. Juste la soirée était bien arrosée, quoi. Je pense qu'on a tous un petit peu trop bu, quoi. Non? Pour plus souvenir de grand chose, ouais, c'est qu'on a tous beaucoup trop bu. Tu te souviens pas, toi, ce qui s'est passé? Pas la station. Pas vraiment. David. Ouais. Et Emily, vous faites quoi? Oh, je peux te les acheter, ces masques là? Ah ouais, mais par contre, c'est pas donné, hein, parce que ça, je peux pas vous les offrir. Alors, bah écoute, moi, je ferais bien un selfie. Qu'est-ce que t'en penses? On peut en garder un ou deux, non? Qu'est-ce que t'en penses, Emily? Ils sont super bien faits. On fera peur aux fantômes dans la maison avec ça. Ouais, bah pas de problème. Vous en voulez combien? Deux? Oh non, mais moi c'en... 4. 4? Ouais. Ah putain, c'est cher, hein, ça va faire... c'est 35$ le masque, là. Ouais, bah c'est bien. Ils viennent d'où, ces masques, dis-moi? Ouais, ils viennent de là où viennent tous les masques. Bah ouais, Los Angeles, quoi. Non, je pensais plus à Taïwan ou à un truc dans le genre, quoi. Eh non, tous les masques viennent de Los Angeles, mec. Ah bon, bah tu... Oh, tu veux pas en mettre un et je prends un selfie avec toi? Ah ouais, classe. Et il met un masque. Attends, je viens. Ouais, t'en mets un aussi, Emily. Non, moi je garde mon visage. Je crois qu'on se fait un petit selfie avec lui, là. D'accord. Et l'équipe de Channel 4 autour, un petit truc un peu à la cool. Ok. Avec le monstre au milieu, quoi. Vous faites ça et pendant ce temps-là, le biker a pris une bouteille et il est venu se mettre à l'endroit où il y a les hot dogs, tout ça, il s'est attablé là. Ah ouais, bon, vous prenez le selfie, il dit putain, c'est trop bien, mais fais-le avec mon téléphone aussi, tu files son téléphone pour que tu fasses le selfie avec son téléphone. Ouais, je regarde vite fait les photos qu'il y a avant ou après. Alors, sur le téléphone truc. Ouais, bah tu peux faire ça, ouais. En fait, tu vois
rien d'inhabituel, si ce n'est qu'il y a 2-3 photos d'une voiture qui a l'air d'être de couleur bleue. Et tu vois qu'il y a une partie de la carrosserie qui est comme un peu enfoncée. Comme si c'était des photos d'un constat ou un truc dans le genre. Ça me fait pas penser à la voiture que je l'ai vue à l'extérieur. Tu m'as pas dit ça, qu'il y avait une forme ça bleue. Ça pourrait être ça, ouais. C'est à peu près la même couleur. Attends, je vais te prendre une photo avec avec notre star, avec Emily. Je pose. Me mets, donc c'est pendant ce temps-là que je regarde toutes les toffes. Ok. Ah, ok, c'est dans la boîte. Ok. Bon, bah cool, alors bah j'espère que ça va bien se passer, votre émission. Ah oui. Ça se passe toujours bien, t'inquiète. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, tu as fini de faire le plein, Matt. Bon, Lisa, faut que je vois le mec, savoir s'il y a un garage plus loin. Vas-y, moi je vais me prendre un café. Ok. Vous rentrez dans la station? Ouais. Ok, donc vous êtes tous les quatre dans la station. Voilà, l'équipe au complet. Ah ouais. Super. Disons qu'il n'y a pas un garage sur la route là, vers Oxville. Ah si si, il y en a un là, à 50 bornes, mais bon, il est tard là. Bon, ok, bah, ouais. On pourra y aller quand il fera jour. On va pas laisser le truc que j'ai bricolé comme ça, parce que ça tiendra peut-être pas longtemps, donc on va peut-être pouvoir aller jusqu'à Oxville, mais après il faudra réparer quoi. Ah, c'est pas loin là de toute façon. Ouais, je pense que ça devrait. On est à combien de temps d'après vous? Oh bah là, ça dépend comment vous roulez, mais je sais pas, et... deux murs. Il est quelle heure? Il y a une horloge quelque part, on voit l'heure? Vous voyez l'heure, ouais. Il y a effectivement une horloge, il doit être à peu près 45, 23h45. Et si je regarde mon portable, c'est la même heure, hein? Oui. 23h40. Faudrait pas trop tarder quand même, non? Ouais. Ah, de toute façon, on a réservé quelque chose déjà là-bas, mais ouais. Tu as raison. C'est vraiment vraiment personne ici. Il y a beaucoup de gens qui passent. Vous voyez beaucoup ça, tu des gens? Bah ouais. Enfin non, franchement, le soir, pas grand monde. Après, il y a du monde. Quand c'est là, c'est la route qui mène à Oxville, donc bon, Oxville, hein, c'est une ville de vieux, donc des fois, ah là, c'est le festival de la courge, donc tous les fermiers du coin viennent, voilà, c'est quoi, c'est ce genre d'activité, et puis un peu l'été là, parce que l'été, il y a plein de gens qui viennent faire du tourisme, tout ça, mais sinon non, c'est tranquille ici. Et toi, t'es d'où, Laszlo? Si, t'as l'air de parler d'Oxville comme d'une ville. Ah, bah moi je suis de là, hein, mais bon. Pas. Je suis de là, mais si je pouvais être ailleurs, je serais ailleurs. Hein. D'accord. Il n'y a pas trop d'activités pour les jeunes, quoi. Ah non, ça c'est clair. Non. Bah vous faites quoi pour vous amuser alors? Bah on boit de la bière. Ah. Ouais, donne-moi un pack, tiens. Ouais, Bud Light. Non, light, non. Il est où le pack biker de Il est assis. Il y a une espèce de petite table à côté des hot dogs. Et en fait, il a pris un verre de café et il est en train de se verser directement de la bouteille à boire. Ben moi, je vais me servir un café aussi. Et je lui demande. Du coup, vous venez pour le festival de la courge? Moi, ça me fait rire quand même quand j'entends ça. Il baisse ses lunettes. Regarde comme ça, dégage et il se remet face à son verre. Oula, David, t'as pas envie qu'on appelle Doug là tant qu'on est posé? Bah écoute, bizarre. Regarde, ça fait la troisième fois que je la touche, le téléphone marche pas là. Ah bah là, il y a un téléphone là. On va peut-être l'appeler sur le fixe là. Ah, c'est pas bête ça. Ah ouais, c'est pas bête. J'ai perdu l'habitude peut-être. Il y a un téléphone effectivement. Je le prends alors, ok, je m'en occupe. Tu te décroches? Ouais. Ok, c'est un vieux téléphone à cadran. Enfin, un cadran à touche. Ah ouais, putain, les boucles. Enfin, c'est les vintage, il est pas mal. Tu t'essayes okay, d'appeler? Je fais le numéro. Ouais, je regarde mon téléphone, j'essaie de choper le numéro. Ok. Enregistré sur mon mobile
Et je vais appeler Doug. Donc tu t'appuies sur les touches et lorsque tu mets le combiné à l'oreille, tu entends ça. Alors, ça sonne? Non. Ah non, ça a l'air de sonner quoi. Ouais. Là, je lui tends le combiné à Matt. Bah, ça arrête pas. J'ai l'impression qu'on est mort hors contact. Attends, il ne marche pas votre téléphone? Je demande au jeune. Je sais pas. Bah, si d'habitude oui, mais là, je sais pas, avec l'orage, peut-être qu'il y a un truc qui déconne. Bah, je lui prends le téléphone. Je vais essayer. Il a sonné tout à l'heure, hein, pourtant. Ah bon, il a sonné, vous êtes sûr? J'ai rien entendu, moi. Si, moi j'ai entendu sonner. Bon, arrivons dans la ville, là, parce qu'ici, on est trop paumé. Hein. Ça doit être les forêts, quoi. La forêt, en tout cas. Ok, vous reprenez la voiture? Moi, je regarde attentivement avant de partir, enfin, pendant qu'ils étaient en train de téléphoner. Je faisais un peu une fixette sur les photos des Jones et je demande à Laszlo, dis-moi Laszlo, t'es sur une de ces photos? Non, là c'est tous les timbrés qui habitent là dans la campagne, là, ça c'est... Heureusement que je suis pas dessus, la honte, putain, regardez les mecs et tout, avec des robes et tout, n'importe Attends, quoi. Tu les connais ces mecs? Ah bah oui, c'est les types de... C'est les types du coin là. Ouais, dans le Qu'est-ce coin, fout, c'est. Ah, je sais pas, on a dit qu'il y avait un concours de photos sur Moonface pour gagner des trucs et voilà ce qu'ils sont venus accrocher quoi. Attends, c'est trop bon, il faut faire un docu là-dessus, David. Bah ouais, c'est clair. Attends, regarde la gueule des mecs. Et encore, il y a eux là aussi, ils sont un peu flippants, non? Oh là 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 là. C'est quoi, une espèce de dragon chinois? En mode, t'as le nom, tu sais où ils habitent ceux-là là, ouais, les mecs sur les photos là. Ouais, franchement, je les ai déjà vus traîner, mais je sais pas comment ils s'appellent. Hein. Ils sont forts les mecs. Ouais, les bon, photos elles sont trop flippantes en fait. Hein. Bon, Mais y a un goût pour la mise en scène, hein. C'est pas mal fait hein, la photo là. Ouais. Non, mais attends, moi le truc, ça se trouve le téléphone, il y a un problème avec l'orage là, il s'enroule le câble. Moi je pourrais aller voir, c'est peut-être un truc à bricoler. Ce serait pas mal de pouvoir appeler Doug quand même, savoir qu'est-ce qu'il fout là. Parce que, ouais, mais alors, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir atteindre la ville avant que. Tu vois? Oui, avant oui, alors... ouais, c'est vrai, allez, allons-y. Quoi que sur le chemin, on va l'appeler. Mais s'il n'y a pas de réseau. Allez, salut, ah, là, il n'y a même pas de câble, si tu veux. Salut. Il y a peut-être un truc à traficoter à l'extérieur, il y a peut-être son câble. Bon allez, bonne chance hein, dans la... Moi je préfère qu'on parte là. Dans la maison dans la là. Ouais. Ça... Ciao. Allons-y. Alors on se tire. Vous sortez. Bon, vous rentrez dans la voiture? Ouais. Moi je vais mettre mes écouteurs, mon gros casque et je vais écouter ma musique. Ah, je me sens fatigué, j'ai hâte d'aller à l'hôtel là. Ok. Ouais, ça serait bien là. Le moteur démarre. C'était sa bagnole au jeune là, la ce bagnole derrière là. Je sais pas si c'est sa bagnole, mais en tout cas il a pris en photo. Ouais. Vous partez? Il a pris en photo sa bagnole. Ouais. Vous partez sur la route. Allez, on se tire d'ici. Là. Sur la gauche de la station service, c'est la forêt. Hein. Et cette route repart tout droit en passant la station. Quelqu'un veut une bière? Dans la forêt. C'est que de la bud, mais bon. Vas-y, file. Ouais, non, je conduis. Là. Merci. Bah, de toute façon, vu ce qu'il y a en face, tu peux boire. Hein. Lisa? Ouais, alors Lisa est. À ta santé. Santé. D'être pas mis assez grosse caisse hier soir, là. Pour la descente. Il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Matt, salut, il y a de moins en moins d'essence dans la voiture. Prêt pour une soirée qui va te décoiffer. Oh, merde. Lisa, t'as envie d'aller pisser? Vous à danser avec la tempête, là, il semblerait qu'un sacré orage profile à l'horizon. Émilie, t'as une autre train de plancher dans la nuit, gardez l'œil sur attends, le ciel. Attends, on va t'obliger, parce que c'est jamais ce que t'as plein de tuyaux de réserve. Parce que j'ai vachement envie d'aller aux toilettes. Vous avez tous perdre.
parler un niveau de stabilité. Channel Fear, parce que vous avez tous le sentiment en même temps qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, Matt, tu sais qu'il y a une station service pas loin là. Il y a un problème, mais c'est quoi le problème? Vous avez l'impression d'avoir déjà vu tout ça, d'avoir déjà vécu cette situation. Oh putain, j'ai une espèce de déjà vu là. C'est déjà ça. Ça m'étonne pas ce qui démarre. Ah, c'est vrai que moi aussi. Hein? Toi aussi, Lisa? Attends, c'est comme si, j'avais rêvé de ça d'hier là. Et attends, bah, comment je peux savoir que là, pas loin, la lumière là, c'est de station service, c'est super strange. Et effectivement. Il est où, Doug? Et où, Doug? C'est une station service. Peut-être qu'on pourra utiliser le téléphone de la station service pour l'appeler. C'est une station service où il y a. Il y a deux pompes et une Harley Davidson qui est garée et une voiture sur le côté. C'est la station de service santé, non? Bon, c'est quoi ce truc? Quelqu'un veut mettre de l'essence là? Moi je vais voir le mec, je lui demande s'il y a un garage ou quelque chose. Pourquoi? Ouais, je vais mettre de l'essence, je sais pas, j'avais envie d'un Mars, mais je suis comme un peu écœuré des Mars. Attends. Moi, je suis rentré acheter de la bière. Ok, on fait un tour de. Lisa, tu fais quoi? Bah moi je vais aller directement au. Tu sais que les toilettes sont pas à l'intérieur, tu le sais, elles sont dans l'autre bâtiment. Bah je vais aller directement dans l'autre bâtiment. Ok. Vas-y. David. Ouais, c'est donc Moi je vais rentrer. Même si ça me gêne un peu, j'aimerais. Ouais. Ok. Ouais, donc toi tu vas à l'intérieur. Matt. Attends, j'ai un pressentiment, je regarde sous la bagnole. Tu vois qu'il y a une flaque qui est en train de se former tout doucement, mais elle est presque pas formée, d'essence. Et ça vient de la fuite, ouais. Émilie, tu fais quoi? T'as un peu mal au ventre, effectivement. Ouais, moi je me sens un peu écœurée, donc jette Matt à mettre de l'essence. Ok, donc toi tu restes là. Non, attends, bah mets l'essence toi, moi je vais voir ouais, les mecs. C'est ce que je fais, ouais, je mets l'essence moi. Je vais voir s'il y a un mec, il faut qu'il prête une bâche ou quelque chose, que je puisse aller voir sous le van. Ok, Lisa est en train de se diriger là. Doug et Matt, vous rentrez dans une station service, dans la station service. Le biker est toujours au rayon alcool, en train de regarder les bouteilles. Lorsque vous rentrez dans cette station service, Laszlo, car vous savez qu'il s'appelle Laszlo, se retourne et fait Channel Fear. Ouais, salut. Et il a pas son masque. Donc il y a un souci là sur le van, y a pas une bâche, un truc. Ah qui bah si, mais attends, la bâche. Ah non, je t'avais pas déjà donné. Ah oui, non. Je voulais pas. Non, bah non, je suis con, vous venez d'arriver. Et il va chercher la bâche. Putain, je sens pas bien là. David? C'est super bizarre. Il est dégueulasse cet alcool, non? Je suis au rayon. Téléphone. Putain, j'y vais, je décroche. Tu vas décrocher? Ouais, j'y vais. Le mec il est allé chercher la bâche, je décroche. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Hein? C'est moi. C'est Véronica. C'est parti de la maison. C'est avec une amie. On est à la station service 160. Faudrait te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Putain de merde. C'est quoi ce délire? Je m'adresse au biker. Y'a que de l'alcool dégueulasse là, non? Ah ouais, tu l'as dit, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde de Chine, ça. Tiens, attends, là, ça c'est pas mal, ça. Il prend une bouteille de gin.
Voilà, ça c'est pas mal, tu vois. Il a des bouches et il commence à boire. Et le jeune, il revient ou pas ce soir? Non, j'en sais rien, je suis pas du coin. C'est tout droit là. C'est... Le jeune revient avec sa bâche. Ah, c'est sympa. Et, mais elle est pas là, Emily? Comment ça, elle est pas là? Elle est dehors, elle fait les... Mais l'essence. Et pour le selfie, on pourra le faire du coup. Ouais, oui. Ouais, on va se faire ça. Enfin, on va te faire un selfie avec Emily. Passe-moi ton téléphone. Tu connais pas. Tu connais pas une Véronica, toi? Jamais entendu parler de ce. Non. Dis rien. Bon, je vais dehors colmater le tuyau, là. Pendant ce temps-là, à l'extérieur. Emily, tu fais quoi toi? Tu vois qu'il y a une flaque d'essence qui est en train de se faire de plus en plus. Fais-moi un jet d'observer la situation. Ma chère. T'es face au van et tout, tu regardes la flaque et puis en te redressant, en fait, en face du van, il y a une forêt. Et il y a comme un décrochement dans la forêt, tout est dans le noir. Hein. Tu remarques que il y a plusieurs piliers électriques, comme tu avais vu sur la route depuis le début. Et ça fait des petits grésillements. Et l'électricité part et revient de temps en temps. Et en fait, à un moment, il y a eu un grésillement. Quand l'électricité s'est remise, tu as eu l'impression de voir une silhouette dans la forêt, en face de toi, à 25 mètres. Wow. J'écarquille les yeux. Il y a des éclairs, non? Il y a des éclairs, mais pas suffisamment... enfin... Il n'y en a pas autant que ça en fait. Sinon je te le dirais. Pendant ce temps-là, Lisa, tu es rentrée dans les toilettes. Il y a trois portes dans ces toilettes. Bah, je vais prendre la troisième. Elle est fermée. Oh pardon, excusez-moi. Ça va bien? Qu'est-ce que vous voulez? Oh bah j'ai rien. J'avais pas vu d'autre voiture, donc ça m'a étonné, pardon. C'est pas ma voiture. Dehors, c'est pas votre voiture? Bah non. Vous êtes venu comment? Vous êtes de la police? Non. Sûrement pas. Non, j'enquête sur les affaires paranormales. Et en même temps, je vais dans les toilettes d'à côté et je fais mon affaire en lui parlant. Et vous faites quoi ici là, perdu? Moi je suis là pour qu'on me foute la paix en fait. D'accord. Alors, je voulais pas vous brusquer. Si vous pouviez aller enquêter sur vos affaires paranormales ailleurs, ça serait pas plus mal. Très bien. Vous appelez comment? Moi c'est Lisa. Moi c'est personne. Pendant ce temps-là, je reviens deux minutes avec Emily. Donc tu as eu l'impression de voir une silhouette dans la forêt entre les arbres. Une silhouette et puis un peu comme une photo, donc t'as pas vu il y a pas très longtemps, t'as l'impression d'avoir vu une photo où il y avait comme ça une forêt avec une silhouette entre les arbres. Ça me fait frissonner, Sam. Ça m'inquiète, ça me donne des sueurs froides. Je repose la pompe à essence et doucement, mais sûrement, je vais vers la boutique. D'accord. Nous juste, on sort avec le pour faire un selfie. Sorte à l'extérieur de la boutique, Matt, David et le cher Laszlo. Allez, vous êtes là, les gars. Une photo, là. Ouais. Ah, je suis contente de vous voir.
Donc, je prends Ah, le téléphone Emily, et... ah, trop cool, elle est là et tout. Allez, Super, bah, je me disais bien que c'était pas normal qu'elle soit pas là. Bah, attendez, l'essence elle coule là, faut que je colmate en dessous là. Chier. Bah, vas-y, vas-y, ouais, moi enfin... je vous fais une photo là. Ok, donc ouais, vous yeah. faites la photo. Là, je regarde sur l'appareil les photos avant de juste de prendre la mienne. Je regarde ce qu'il y a. Eh bien, tu retournes aux photos et tu vois plus nettement et plus rapidement, surtout parce que tu as la sensation d'avoir déjà fouillé dans son appareil photo. Et tu retrouves assez vite, en fait, qu'il y a plusieurs photos d'une voiture bleue qui pourrait être une Ford. Et tu as des... C'est visiblement l'avant du véhicule. Et tu as l'impression que le radiateur est comme un peu enfoncé, quoi. Comme s'il avait pris des photos de sa voiture, quoi. Ok, je prends la photo, c'est dans la boîte. Matt, tu vas très vite en fait parce que la fissure, tu sais exactement où elle est. Et en fait, tu as déjà coupé un bout de gaffeur de la bonne taille et tu le mets dessus. Attends, je retourne voir David et Emily, quoi. Attendez, mais vous avez pas l'impression que c'est. Qu'il y a quelque chose de bizarre, un truc étrange là. Ah mais plus que ça, moi je me sens vraiment pas bien là. Lisa, tu es dans tes toilettes, toi, tu t'as fini de pisser au bout d'un certain temps. Ouais. Elle est où Lisa? J'aimerais bien qu'elle je vais sortir. Okay. Putain, je crois qu'elle est là-bas. Hey. Attendez. Lisa, ça va? Alors, elles sont comment les chiottes? Ça doit être à l'image d'ici là. Ouais, un peu. Non mais il y a une jeune fille à l'intérieur. Une jeune fille? Comment ça, une jeune fille? Je sais pas pourquoi, j'ai l'étrange sensation de l'avoir entendu sangloter un peu. Moi, j'ai décroché le téléphone là tout à l'heure. Il y avait quelqu'un au bout du fil. Là. Elle se disait que c'était Véronica, une voix de petite fille. Attends, putain. Vers les chiottes, moi. Tu dis qu'il y a une petite fille dans les chiottes? Pas toi. Attendez. Non, mais une petite fille. Une jeune fille, pas une petite fille, pas une enfant. Bah alors, je voudrais une enfant ici, là. C'est pas possible. Non, j'ai dit que c'était pas une enfant. Oh, c'est où? Non mais tu vas pas y aller. Non mais Matt, tu vas pas aller. Attends, c'est trop louche. Va avec lui, va avec lui, Lisa. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il attendait ici une fille, une petite fille, j'en sais rien, une voix de femme que j'ai entendu au téléphone, il disait qu'elle attendait là. C'est quoi ce délire? Qui c'est qu'elle a? Attends, non, j'y vais. Attends, lui fais pas peur, ça doit être une fugueuse. Tu sais, c'est dur d'avoir 15 ans, quoi. Ouais, et c'est pas un homme qui va régler le problème. Vas-y. Emily, viens avec les filles, moi. Occupe-vous-en. Hey, non, ça, c'est pas la voiture. Restez là, les gars. Il faut que je vous dise... Tu vois, effectivement, une voiture qui ressemble, ouais. Ah, attends, je vais voir, là, quand même. Bon, bah, moi, vas-y, bah, alors, t'en fais... Regarde, attendez, qui c'est, parce que c'est bizarre. Les gars, attendez, avant de partir, il faut que je vous dise... J'ai vu un truc dans la forêt... Il y a une silhouette qui se cache, il me semble, à l'ombre des arbres. Je sais pas, je suis pas sûre de ce que j'ai vu, mais cet endroit, quand je dis qu'il me fout le bourdon, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un truc bizarre. Je suis pas tranquille. Vous s'éloignez pas trop. L'émission a pas commencé. Ouais, bah justement, c'est ouais, mais... ouais, je crois qu'elle a commencé. Bah, attends, je voulais aller vers la bagnole, mais en fait, je me précipite vers le van. Je vais chercher ma caméra. Tu me connais, David, ça va, je sais bien que c'est pas ça. Bête, ça. Ah mais l'ambiance y fait quand même, tu vois là, ouais, je suis un peu la totale quoi. Vous êtes moi bien... j'ai cherché mon matériel audio. Vous êtes bien bien trempé, donc attendez, on va faire un tour. Emily, toi tu restes à côté des autres. Bah, vous êtes tous les si, trois au van. D'accord. J'accompagne Lisa parce qu'elle m'a dit de venir avec elle, parce qu'entre filles on peut peut-être causer un peu à la gamine. Ouais. Mais par contre, je prévenais les mecs que attention, il y a peut-être un rôdeur ou quelque chose de... De pas d'être dans la forêt. Alors, où êtes-vous à l'instant de maintenant? Bah, on est à du van là. Moi, je sors mon matériel. Ok, donc vous êtes tous les trois autour du van. Toi, David, tu t'es rapproché de la voiture? Ouais. Ok, donc c'est une vieille Ford. Qui pourrait correspondre à la photo que t'as vue, ouais. Elle est enfoncée devant? Tu vas à l'avant? Bah, oui, je fais le tour de la bagnole. Ouais. Ok, tu vois que. Le radiateur avant est effectivement défoncé, comme s'il y avait eu un choc. Et tu me fais un jet d'observer la situation. Hop. Il y a un éclair. Et que je vois bien.
a l'impression qu'il y a quelque chose sur le radiateur. Cette impression, je veux la confirmer. Quoi, quelque chose? Il y a un bout de poil, du sang. Tu passes tes mains donc, sur le radiateur pour essayer de voir. Ouais. Et tu vois qu'effectivement, à la lueur du lampadaire qui est derrière la station, en fait, tu vois qu'il y a du sang. Il y a du sang sur tes mains. Et la lumière derrière toi grésille un tout petit peu. Et il y a autre chose. Il y a comme... effectivement des poils. Mais des poils assez longs, assez épais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pendant ce temps-là, la voiture, vous avez sorti la caméra. Ouais, mais attends, Lisa, il faut pas abîmer le matos, on va se foutre sous la bâche, protéger la caméra, puis nous avec, parce que sinon on va être trempé. Mais attends, vous avez parlé aux filles ou quoi dans les chiottes là? Non, on y va. Non, mais vous êtes pas un peu dingue, il faut qu'on se tire d'ici, on va pas rester là à faire une émission. Attends, tu vois bien, il y a un truc bizarre là. Ouais, on est des enquêteurs du paranormal ou quoi? C'est une bonne idée au moins choper des. Peut-être pas une caméra, mais des enregistrements audio, c'est toujours super les enregistrements audio. Je filme, j'en ai foutu. Ouais, mais c'est qu'une gamine qui a fugué, il y a rien de paranormal. Qu'est-ce que t'en sais? Non, allez-y. Si on peut choper quelques EVP, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. Allez-y, je vous suis, je vous filme. Oh, je vous suis, mais vraiment, ça craint, quoi. Non, c'est bon, vas-y. Vous y allez tous les deux? Toutes les deux? Ouais. Okay. Ouais, je filme. Tu les suis derrière, toi? Je suis en filmant. Ok, donc vous partez à trois. T'as trouvé une gamine aux toilettes, je me sens vraiment juste comme une voyeuse. Non, en passant... Ne fais pas comme si on s'interview, je mets une perche, je sens, et toi, t'as pas besoin de micro, là. Moi, je prends des images de coupe, tu vois, je filme la station. Ouais, mais sans micro, t'auras rien au niveau impression. Si, okay. j'ai ma perche. Je filme la forêt. Donc attends, la gamine elle est aux chiottes et tu vas mettre une perche par-dessus. Non, mais t'es dingo, hein. T'es dingo. Mais non, faut ouvrir la porte. Par-dessus, juste avant. Non, bon, moi je prends pas mon micro, mais je t'accompagne. Défoncez la porte. Ok, vous êtes tous les trois. Vous êtes tous les trois en train d'aller aux toilettes. Et effectivement, vous voyez que David est penché vers l'avant de la voiture, lui, au moment où vous passez. Vous rentrez dans les toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi j'ai quand même un petit coup d'œil à l'arrière parce que je suis pas tranquille pour le rôdeur et je suis pas fan de l'idée d'aller interviewer une gamine aux toilettes quoi. Donc je suis un peu réticente. Et moi je les filme. Et je surveille mes arrières parce que le rôdeur là ça m'a pas rassuré. Ouais. Je fais un zoom sur la bagnole. Tu vois. Je tourne vers eux. Bah eux ils sont rentrés là. Ils sont rentrés dans les toilettes là. Que je rentre avec eux. Fou. Aucune réponse. C'est comme ça que tu t'appelles? Putain, j'appelle les flics. Parce que tu captes quelque chose ici? Putain, mais vous êtes un... T'as pas compris? Fous-moi la paix, en fait. Je veux juste être tranquille dans les chiottes. On peut être tranquille dans les chiottes, ici? Mais Lisa, fous-lui la paix, c'est juste une gamine. T'as pas besoin d'aide, t'as besoin qu'on te foute la paix, on est d'accord, non? Dis-lui encore, parce qu'elle a pas compris. T'appelles Véronica? Non, je m'appelle pas Véronica, foutez-moi la paix. Qu'est-ce que vous lui voulez à Véronica? Non, mais c'est pas vrai. Attends, vous êtes avec un mec en plus? Putain, mais c'est des pervers. Bah, je suis d'accord avec toi. Putain, vous êtes une grosse bande de pervers. Putain, vous voyez en fait. Visiblement, elle a monté sur la. Cuvette des chiottes, parce que vous voyez sa tête qui passe. Et en fait, vous voyez juste sa tête qui dépasse, et elle est avec son portable, et elle vous filme. Et là, putain, moi aussi je vous ai filmé, hein, je vous ai filmé, bande de pervers! Et voilà, c'était tout ce que vous gagné, super pub! Putain. Elle redescend. Non, mais excuse-les, gamine. Tu la connais, Véronica, non? C'est ta copine? Qu'est-ce que vous lui voulez? Elle a dit qu'elle attendait ici, elle a passé un coup de fil. Putain, mais foutez-moi la paix. Attends, t'es peut-être en danger ici, hein, tu sais. Mais pourquoi je serais en danger? Je suis dans les chiottes de la station service, foutez-moi la paix. Ouais, mais ta copine, elle a appelé, elle a pas l'air très rassurée. Elle est où d'ailleurs? Mais vous êtes qui, vous? Et nous, on est une équipe de tournage, on vient à Oaksville pour faire un reportage. Non, mais j'hallucine. Non, mais j'hallucine. Bah, nous aussi, on hallucine.
Non, mais calmez-vous, calmez-vous. T'es venu comment ici? C'est ta voiture là dehors? Elle dit plus rien. Calmez-vous, calmez-vous. Gamine, ça se résume à ça. Est-ce qu'on peut t'aider ou ça sert à rien? Non, j'ai pas besoin d'aide. Bah, vous l'avez entendu, les copains, laissez-la tranquille. Allez, on y va, allez. Je déboule, je viens les voir rapidement là, je les ai vus passer donc vers toi, les toilettes. Tu vois qu'ils sont, ils sont en groupe dans les toilettes et il y a Matt qui est derrière. Écoutez les gars, moi aussi, venez voir. Venez voir. Comment ça, je continue à tourner. Hein. Venez voir. Moi je. Là, je vais aller avec toi, David. Moi je. Filme David. Je suis David avec la caméra. Ok, ouais. Donc vous êtes ressorti dehors, vous commencez à être bien trempé tout ça. Ah non, je t'ai dit, moi je m'étais mis sous la bâche. Ouais, toi t'es sous la bâche, mais les autres qui sont sous la pluie. Ah, Lisa, tu fais quoi? Tu. Émilie, tu sors aussi? On a une capuche et tout. Ok, mais il pleut vraiment des tombereaux d'eau. Lisa, tu fais quoi? Il y a pas un endroit où on peut se protéger en face? C'est-à-dire? Bah là, sous le bâtiment là. Ah si, tu peux te mettre là, ouais. Ah bah moi je me mets là. Ok. Matt, regarde ça. Filme ça. Attends, c'est hallucinant, j'ai l'impression qu'il y a ça s'accélère là. Qu'est-ce que c'est, la bagnole? Attends, je filme la bagnole. Tu vois que le radiateur avant de la voiture est enfoncé. Je filme, je zoome. Effectivement, il y a des traces. Ouais, alors c'est de moins en moins clair parce qu'avec la pluie et tout, c'est en train de se dissoudre un peu. J'ai un flash sur la caméra. J'allume le flash. Ouais, donc il y a effectivement un peu de sang sur le radiateur. Oh la vache, attends. Il a tapé un gros bestiole ou quoi là? Un c'est sanglier quoi, ouais, c'est poilu. Ça doit fourmiller. Bah c'est ouais. Attends, c'est des poils de sanglier ça? Attends, je me souviens. Enfin, ça sent la grosse bête velue quand même. Bon, tu sais. Oh putain, là je suis trempé. Allez, les copains, on y va. Bah oui, mais attends, il se passe des trucs là quand même. Il se passe rien, Matt. T'emballes pas, Spielberg, hein, c'est bon. C'est l'orage là, oh. On sera peut-être content de les avoir, ces images. Hein, ouais, non, mais c'est plutôt pas mal. Ça fera des bons plans de coupe, ça. Mais c'est clair. Ça. Hein. Juste pour le folklore local. Allez, les copains. Attendez, notre enquête, elle commence maintenant, ça se trouve. Hein. Bah, quoi, t'as une gamine et t'as quoi, là? J'ai des sensations de déjà-vu. J'ai répondu au téléphone. Il y a une petite Véronica qui dit qu'elle est là, elle est là, elle attend. Le téléphone, il est coupé. Il se passe des trucs bizarres, t'as vu un truc bizarre dans la forêt, non? Ouais, j'ai vu une silhouette, mais ça peut être un rôdeur et ça. C'est pas paranormal, c'est juste dangereux. Moi je. Hey, Matt, maintenant que tu tiens la caméra, ça te dit pas de filmer les photos là? Les super photos étranges là. Ouais, c'est vrai, ça c'est de l'info, ouais. Ouais, il nous faut des intercuts, ça va être parfait. Ça c'est cool. Allez, restons focus quoi, c'est la dernière pour la réussir. Tu vois la part des choses. C'est ce con de Doug qui devrait être là pour porter la caméra, mais bon. Ouais, il est pas là, alors je vois pas comment il va se pointer ici. Putain, donc t'as pour l'instant c'est toi qui l'as. Tu rentres, on va faire un truc dément, David. Allez, on y va. Okay. Allez, vous rentrez donc tu pour filmer. Tu prends les intercuts. Ouais, moi pour enregistrer. Donc dans la station, vous rentrez. Il y a le biker est attablé et il a fini de descendre la moitié d'une bouteille d'alcool là. Et Laszlo vous regarde, il fait ah mais vous filmez à l'intérieur là? Ah super, vous pouvez me filmer peut-être? Ouais, on va faire une petite intro. Emily, fais quelque chose avec ce gars là, non? Avec Laszlo? Ah ouais putain, trop classe. Avec les gueules qu'ils ont. Trop classe. Il arrive direct à côté d'Emily. Eh bien, nous ne sommes pas encore arrivés à Oaksville, cher public, mais voyez, déjà, on semblerait que les esprits sont parmi nous. Dehors, les éléments se déchaînent. Ici, dans la station-service, l'eau rampe sur le sol. Et nous savons tous, à Channel Fears, que eau et esprit sont étroitement liés. Dites-moi, Laszlo, jeune homme de Oaksville, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Vous qui nous avez, il y a encore quelques secondes, vous qui nous avez narré l'étrange histoire de Moonface. Il a l'air un peu coincé quand même. Écoutez, en fait, Moonface, c'est pas des conneries, hein, c'est la vérité. Moonface, moi une fois je l'ai vu dans la forêt, à la lueur de la lune, il y avait sa silhouette décharnée qui marchait. Et il y a des gens qui disparaissent et tout. Il fait un clin d'œil comme ça à la caméra.
Il y a des gens qui disparaissent assez souvent ici. Et en plus, les gens du coin, ils sont un peu spéciaux, vous voyez. Un peu, genre un peu cannibale et tout. Enfin, tous les trucs. Enfin, il y a des Je fais mes histoires. photos. Il y a des histoires très spéciales. Et le Sasquatch aussi. Des fois, on a dit qu'il y avait des. Il y avait des créatures qui rôdaient à quatre pattes. Enfin, moi, j'ai vu tout ça, mais pas de loin. Hein. Je pourrais pas le jurer non plus. Mais je veux dire, j'ai vu plein de trucs très bizarres. Je pense que peut-être j'attire les phénomènes à moi aussi. Parce que on m'a dit que des fois, il paraît que. Au Ouija, par exemple, quand je mets mes doigts, ça bouge. Donc, ça veut dire que peut-être que j'ai des pouvoirs médiumniques, vous voyez. Ah ben oui, mais c'est certain, Laszlo, vous avez sûrement les pouvoirs inhérents aux adolescents. Oui, ils sont très puissants. Et dites-moi, cette fameuse nuit, dans la brume, dans le noir, dans l'obscurité profonde et les ténèbres, quand vous avez croisé Moonface, comment en avez-vous réchappé? Ah là, franchement, au début je me suis dit je vais y aller et tout parce que je flippais pas trop et puis à un moment je me suis dit quand même c'est chaud parce que c'est vraiment Moonface et tout, il a quand même mangé ses parents. Donc j'ai appelé mon pote Denis, j'ai dit Denis viens et tout, et ramène le fusil de chasse, on va le dégommer quoi. Et en fait, bon Denis il était complètement vituré, donc du coup il a pas répondu quoi. Donc du coup je suis revenu à la station. La station, j'ai pris un pied de biche, et puis après, je l'ai perdu sa trace. Eh bien, nous allons à présent faire un plan sur ces différentes photos qui ont été envoyées par les gens du coin, justement pour représenter la fameuse légende de Moonface. Et il me vient une idée qui n'est peut-être pas si saugrenue, cher Laszlo. Eh oui, et si Moonface lui-même vous envoyait une photo pour participer au concours? Ah, sauriez-vous différencier le vrai du faux? Je sais pas, attendez. Et puis là, il se penche. Et tu vois que discrètement, il met le masque de Moonface. Et il revient et fait. Ah, Alors, attends, attends. Ça, c'est excellent, Terrifiant, ça. Ça, c'est excellent. On va couper. Tu vas prendre le masque, tu vas te mettre dans la voiture là-bas qui est défoncée à côté. Et on va faire un Ah, bon ça, plan c'est la voiture de mon dans la oncle. Ah nuit. non, je peux pas filmer dans la voiture de mon oncle. Là, c'est craignos. Ah bah Si tu te mets un déjà peu dans la normalement j'ai forêt pas le droit là. de la conduire déjà, donc s'il voit que je l'ai prise Ah, ce c'est pas de soir et tout, problème, pas de problème. tu vois. Mais il a l'air d'avoir tapé un truc ton oncle avec la voiture. Je sais pas quand là. Il y a un gros choc Ah sur non, la. Hein? vous voulez filmer un truc dégueulasse? Bah ouais, Ouais, ça m'intéresse, vas-y. venez venez avec moi, venez avec moi. Il vous fait sortir. Et il vous amène vers la voiture. Et arrivé à la voiture, il est au coffre, il pleut de plus en plus. Hein. Vous êtes bien malgré les capuches, malgré bien trempé. Et il prend des clés et il ouvre le coffre de la voiture. Et là, il le fait vraiment, mais genre tout doucement comme ça. Ah, pour filmer le coffre. J'essaie de bien capter le bruit du coffre. Tu captes tout Il ça sans s'ouvre. problème et au moment où le coffre s'ouvre, vous voyez les yeux d'un cerf mort qui vous fixe. De l'intérieur du coffre, il a du sang qui lui coule des naseaux. Oh putain. Il a une espèce de sang qui lui coule des yeux. Il est énorme dans le coffre, plié en deux comme ça. Ah, je fais Il des fait gros ça, c'est plans. dégueulasse, ça, vous voyez? Ça, c'est bien pour votre Ah émission. Par contre, on ne fera pas ouais. dire que c'est moi, parce que normalement, ici, on peut pas. Enfin, j'ai pas fait exprès. Enfin, faut pas le dire non plus, ça, parce que mon oncle, il va me tuer. Il faut que j'amène la caisse là. C'est toi qui l'as tapé, le cerf? Bah, ouais, c'est moi avec le. Vas-y, Eh, Ah dis-moi. non, non, Fais des non, plans, eh, fais des pas plans. couper là, pas couper. Faut pas. Enfin, je veux Attends, dire. on y va. Vas-y, filme. Et donc, Laszlo, vous soutenez que quand Moonface ne trouve pas de proie à son goût, elle se rabat sur la faune locale. Et donc ce cerf aurait été déchiqueté par le terrible Moonface lui-même. Oui, madame, j'ai trouvé ce cerf dans la forêt. Il était déchiqueté. Je n'ai pu n'en conserver que la partie supérieure pour prouver à tout le monde l'existence de Moonface. Voilà. Et d'ailleurs, ça a peut-être abîmé un peu mon coffre et j'en suis vraiment désolé. Oui, c'est sûr, mais cela valait le
emballer la chandelle parce que excusez-moi, je suis troublée, mais je ne peux pas m'empêcher d'observer sur le cou de cet animal la preuve irréfutable qu'il a été sauvagement, comment dire, assassiné par une créature féroce. Regardez l'impact, regardez les traces de dents et il a l'air étonné. Il regarde comme s'il les cherchait. Il fait ah oui, là effectivement, oui, c'est vrai. Oui, ah oui, ah oui, ah oui, déchiqueté. Ah, c'était atroce. C'est... Ouais. Bon, Ouais, ouais, attends, et Laszlo. Coupez là, déconnez pas avec ça là, parce que là, mon oncle il va me tuer. Déjà que j'ai un peu enfoncé le radiateur, si en et, plus. Et d'ailleurs, il est salpé et tout. Ton oncle, bah, il est chez lui là, c'est moi qui m'occupe. Et à où? Bah, il est à Smolto. Il est pas loin. Ouais, bah. Ouais. Et Laszlo, tu les as vues là, les filles arriver, passer puis aller aux toilettes là Il y a du monde aux toilettes là. Ouais. Non, il y avait des filles cet après-midi qui sont passées, mais je n'ai plus personne aux toilettes. Bah, oh, putain, on prend la flotte là, moi il faut que je rentre. En plus, je peux pas laisser, il y a l'autre poivreau là, il faut que j'aille surveiller là, il va siffler toutes les bouteilles. Eh, mais Laszlo, t'assures hein. Ouais, boulot, je vous donne mon mail. Et vous m'envoyez, vous me dites hein, quand c'est diffusé, parce que rapport au droit à l'image, tout ça, il faut quand même que je signe un papier après. Ouais, 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 t'inquiète, ça va être, ça va être bon. Ça va être dément. Il a l'air quand même très content. Ouais. Ok. On va se mettre au sec là. Il est pas loin d'être minuit là. Bon. Enfin, il est pas loin plutôt d'être. Aussi, il est pas loin d'être minuit. Bon, t'as des choses. Ah, on en fera bien quelque chose de toute façon sur ce que t'as récupéré. Attends, j'irai bien filmer là où t'as vu un truc tout à l'heure, Emily. Même s'il y a rien, je ferai bien quelque chose. C'est en face. C'est de l'autre côté de la rue, non? Enfin, de la... C'est dans la forêt là. Ouais, ouais. Remarque des plans nocturnes dans la forêt, y a rien de tel pour faire flipper, hein. Bah ouais, ça aurait été bien que ce jeune plouc là il porte le masque, tu vois. Oh, je sais, je sais. Truc, Ah, j'ai une idée démente. Cette fois, on va aller voir la gamine, mais on va lui proposer un rôle. Ça peut la brancher, hein. Ouais, on va lui dire ça. D'aller courir un peu dans la forêt en mode brume, machin, attendez, on va lui dire qu'elle sera une star. Ouais, en mode j'ai peur, trop bon. Attends, viens, on va lui causer. Alors on fait un tour. Qui fait quoi là? Nous on fait pas du fake, on fait du reportage. Ouais, mais c'est juste pour faire des plans, pour mettre une ambiance, tu vois, un petit intro. Ça on le fera à l'édit quoi, c'est des intercuts. C'est pour démystifier, c'est pour illustrer le mystère. Ouais, ok, ouais. C'est ça, genre... Qui court sous la pluie, sur la route, ça qui va être quoi grave. Ouais, okay. En mode un peu, comment on dit, figurante, quoi, tu ouais, vois. Fiction, genre ouais, fiction. C'est ça, ouais, c'est ça. Allez, venez, on va lui causer, on va dire, oh, je vais lui causer, moi, tu vois. Allez, viens, on retourne aux toilettes. Vous y allez tous. Allez, ouais, après, il faudrait filmer dans la forêt, quand même. Bah justement, c'est ça l'idée, c'est qu'elle, c'est elle qu'on va filmer. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais. Vous allez tous aux toilettes. Ouais, ouais. Elle, pauvre. Et Gamine, tu nous excuses pour tout à l'heure, mais là on a un super truc à te proposer. T'es là? Aucune réponse. C'est de jouer dans un film. Ouais, tu veux pas jouer? Enfin, en fait, on t'a pas dit, mais on est une équipe de cinéma et on fait du reportage. Et on aurait vraiment besoin de toi là pour le coup. On pourrait faire un super plan là dans la forêt. Ouais, puis t'as une bonne gueule. Aucune réponse. Ouais. Bonne voix en tout cas. Allez Gamine, on peut faire du bon boulot ensemble. T'inquiète, on est quatre. Faut pas avoir peur dans la forêt, on sera nombreux. J'entends quelque chose moi. Gamine. Rien. Je tape sur la porte. La Gamine porte s'ouvre. La porte est ouverte. Elle est plus là. Il y a personne à l'intérieur. Oh mince. Oh zut. Flûte. Et dans les toilettes idée. Des garçons, y a pas un truc? Toutes les toilettes. Allez, allez, faut vérifier. Là, tu te planquais ailleurs. Ah, j'étais chaude là. Vous allez dans les autres toilettes? Ouais. Tous les quatre? Ouais. Ok, donc vous allez juste à ressortir et à rentrer dans les autres toilettes. Il y a a priori personne dans les toilettes des hommes. Elle a rien laissé comme trace. On ouvre les portes. Comme trace. Comme un Bon, je cherche un indice. On ouvre toutes les portes là. Je cherche un indice, je peux faire un jet? Tu peux. J'en fais un aussi, hein, parce que moi je cherche aussi. Hein. Putain. Il y a un truc là. C'est quoi déjà? C'est. Chercher un indice.
observer la situation. Non, chercher un indice. Chercher des indices. Putain, mais voilà, passer. Vous êtes sûr que vous avez entendu tout ça, hein? C'est pas du. C'était pas un délire. Attends, Il y a un bruit. La vue là. Ouais, c'est quoi ça? Vous entendez? Ah ouais. C'est comme. Mais si, c'est comme une. Une horloge. Une horloge. Quelqu'un qui tape sur un tuyau. Quelqu'un qui tape sur un tuyau, mais. C'est super régulier. Ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur. Ah, je sors. Moi, j'essaie de capter le son. Ouais. De bien suivre Lisa. Faut suivre Lisa, elle a le boomer. Ils orientent le micro et essaient de capter. Ouais. T'as l'impression que c'est comme. Effectivement, les. Comme le tic-tac d'une horloge, mais en plus. Rauque comme son. C'est moins synthétique. Enfin, c'est moins mécanique, je dirais. Ah, c'est moins mécanique. Ouais, ça serait plus sourd comme son. Peut-être comme si quelqu'un tapait contre quelque chose. Ouais, c'est plus ça, ok. Et oh, ça vient. Tu penses que ça pourrait venir de la station service? Ça vient de la station service? On y va, je filme. On te suit. Je filme. Je vous laisse vous déplacer donc. C'est comme si quelqu'un tapait sur un bruit, c'est pas une horloge, c'est pas mécanique. On dirait quelqu'un. La porte de la station service est entrouverte. Attends, on dirait un couteau de boucher toi, qui coupe. Et donc, quand tu coupes un concombre, tu vois. Allez, la porte de la station service est entrouverte et il y a quelque chose qui empêche sa fermeture en fait. C'est quoi? Là. C'est des pieds. Regardez. Hein des. Hey. C'est des pieds. Je me recule. C'est des Rangers. Putain, c'est le biker. Non, c'est la slow. Ça pourrait être les Rangers de la slow, ouais. Attends. Ça pourrait être dangereux, ça. Ils se sont fait attaquer ou il y a eu un truc là. Ah, je vous avais dit qu'il y avait un rôdeur. Il doit y avoir un truc là. On se casse là, non? C'est le moment de se casser là, non? On se casse, il faut aller au poste de police là, il y a un problème. Attends, on va pas se casser maintenant là. Non mais y a... T'as mis ça dans la boîte. Oh David, s'il y a eu un putain de meurtre, on va. Oui, on va vite se casser, oui. Eh, t'as une meilleure façon de finir la saison là, si on a un truc comme non, ça. Non, j'en ai rien à foutre de ta saison. Attends, il y a un meurtre. La saison, c'est comme ça qu'on finit. On a fait que des trucs bien jusqu'à présent. Alors là, on performe. Non, on se casse maintenant. On sort les doigts là. On va pas. C'est clairement surnaturel, putain. Il faut absolument filmer là. Il faut absolument. Vas-y. Oh, c'est chaud. Matt, je filme. Je fais un gros plan sur les bottes. Mais t'es complètement taré, David. Non, mais tu voulais être sensationnel. Tu te rends compte de ce qu'on a là? On est des professionnels, on n'est pas des professionnels là. Ouais, Lisa, tiens bon là. Vas-y. Arrête, Lisa là. Allez, Lisa, on peut être des stars là. Allez, viens. Attends, il y a un mystère là. Faut filmer là. Regarde dans cette putain de station. Faites-moi tous un jet de agir sous la pression. Je sais pas. Ok. À part David. Ouais. Vous êtes tous terrorisés et vous perdez tous un niveau de stress. Aïe. Bon, moi je fais un jet d'influence ou quelque chose qui pourrait les influencer à te suivre. Alors, ouais, les influencer à continuer, ouais. Vas-y, tu peux on faire va continuer, un jet. On va finir cette émission, c'est la dernière. Si on la finit en beauté, influencer, à nous la gloire, ok. Influencer autrui. Ok. Yes. Vous arrivez à ne pas courir vers le van. Parce qu'il y a un doute quand même qui subsiste sur le fait que David c'est votre employeur, que vous savez pas mettre entre vos émotions et l'ordre qu'il vous donne de continuer. C'est difficile de choisir ce qu'il faut faire. Vous avez le libre choix là. Qu'est-ce que tu veux faire? Rentrer dans le van et quoi faire? Et repartir? Allez, on continue. Bien sûr à qu'on pouvait partir. On a notre sujet là, maintenant quoi. Et
il est opportun, quoi. Allez, réfléchis. Ouais, vas-y, t'as qu'à rentrer, alors. Je regarde par la fenêtre. Je te suis, David. Tu vois là, tu vois que le... La station-service est à peu près semblable à ce que tu lui connais. Tu vois pas le biker. C'est juste le biker. Tu le vois pas, le biker, et tu... Par contre, tu vois pas vraiment la silhouette. Il faudrait que tu ouvres la porte pour voir vraiment... Ok, tu filmes. Ouais, je rate tout, David. J'ouvre la porte. Ok. Nous le fous, quoi. Tu ouvres la porte. Si j'ai encore de la batterie et de la mémoire. Petit à petit, la porte s'ouvre et c'est d'abord donc les pieds, puis les jambes, puis le buste, puis la tête de Laszlo qui est allongé sur le sol. Mais c'est pas le Laszlo que vous avez quitté il y a moins de quelques minutes. Vous avez l'impression qu'il a pris 500 ans. Il est complètement desséché comme une vieille momie égyptienne. Il a les traits tirés comme s'ils avaient été laqués par le soleil, comme si on l'avait laissé à un cadavre pendant des décennies en plein soleil. Il est complètement desséché. Putain. Et il est allongé sur le sol. Fous-nous une petite punchline, là, vas-y. C'est un gros plan, là, de ouf. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, Billy. Perds pas le... Tiens, perds pas, c'est fini, meufs, quoi. C'est maintenant pas là, la c'est trame. C'est le clou, là, vas-y. Punchline. On entend toujours le bruit, là, en plus. Ouais, vous l'entendez, et ça vient de l'intérieur de la station-service, pas très loin de vous. Mais on va pas rentrer à l'intérieur, vous êtes des malades. Vous êtes à la porte, là. Tiens, si on garde la trame, tu te rends compte de ce qu'on a, là, on a de l'or. Allez, Emily, on a surtout essentiellement notre mort. Mais t'en sais rien, c'est peut-être qu'une mascarade là. C'est allez. Peut-être le clou de ta carrière, vas-y. Oui, d'accord. D'accord. On y va. Je filme. Ça tourne. On est des professionnels. Action. Passe devant, David. Mais ils sont peut-être encore là. Je passe devant. Oh, mais quelle tête! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je me mets sur le côté. Donc tu rentres à l'intérieur? Ouais, allez! Ok, donc en rentrant à l'intérieur, tu veux toucher ou bouger la slope parce qu'il est vraiment dans la porte. Enfin, il est dans l'entrée de la porte, quoi. Moi, je l'enjambe. Tu l'enjambes, ok. Ouais. Oui, on rentre. Ok. Mais d'abord David, ensuite Matt. Ok. Puis moi et Lisa derrière, je pense, parce okay. que. Ah, moi, je suis tout derrière. Donc, toi, David, tu fais quoi? T'es face à la caméra aussi, genre. Non, moi je suis rentré parce qu'il faut leur donner du courage. Ok. Et une fois qu'ils sont rentrés, je me mets toujours derrière. Je suis pas. D'accord. Je suis pas l'acteur, moi. D'accord. Je pousse Emily à ce qu'elle me sorte une putain de punchline, quoi, comme elle sait le faire, là. Okay. D'accord. Donc, moi je me tourne vers elle. Action. Ça tourne. Nous entrons dans la station service. Nous avons été attirés par un bruit étrange. Écoutez. C'est comme une vieille horloge rouillée, c'est mécanique en même temps. Et là, horreur, regardez, des pieds dépassent de la porte, c'est les pieds du jeune homme à qui nous venons juste de parler il y a peu, et regardez, et là je pousse la porte, et c'est affreux, c'est infâme, mon Dieu, on dirait que son corps a été vidé de toute vie, et surtout qu'il a été complètement desséché, comme... Matt. Comme momifié. Et je vous assure que tout cela est vrai. C'est terrible. Mesdames et messieurs, au mépris de notre frayeur, au mépris du danger, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. J'avance. Matt. Ouais. Au moment où elle est en train de parler, dans ton cadre... T'es totalement pris par la situation, ce que tu filmes. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a rampé derrière David. Très rapidement sur le sol, comme si une ombre était passée sur le sol. Tu l'as vu dans l'écran. Non, tu as rien vu toi, c'est que Matt qui l'a vu. J'allume le flash de zoom. Il y a quelque chose qui est passé là dans le cadre. Juste avec toi, David. David, attention à toi. Fais-moi un jet de éviter les dégâts, David. Bordel, qu'est-ce que c'était? Ok.
David. Ouais. T'entends Matt qui fait « Il y a quelque chose qui est passé, il y a quelque chose !» Tu te retournes. Et effectivement, il y a quelque chose qui est derrière toi, mais t'as pas le temps vraiment de voir ce que c'est parce que il y a une espèce d'aiguille très longue comme une pointe qui te transperce la gorge et qui sort. Et toi, en fait, Emily, tu vois du sang qui sort de la gorge de David et qui t'asperge. Et là, vous attendez. Je filme. Et là, vous me faites agir sous la pression pour voir si tu filmes. C'est toi. Toi, Matt, tu te tiens la gorge. Tu filmes. Moi, ok, je... donc toi, tu lâches la caméra et tu t'enfuis. Bordel. Ouais. Chier, putain. Je suis courant. Emily, toi, tu hurles et tu t'enfuis aussi. Ou tu restes frustré. Lisa, tu choisis ce que tu fais. Moi, je... Tu choisis ce que tu veux faire. Ah, mais moi, je me rue sur dans le van avec mon matos, mais je me rue dans le van. Ok. Vous partez tous les trois dans le van ? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Vous mettez le moteur ? On se tire. Ouais. Tant pis, on le laisse crever. Ok. Oh, pas de non. Toi, tu te tiens la gorge, David. Et tu vois une forme qui a l'air, David, de ramper sur le sol. Comme si la partie avant marchait sur des pointes comme ça, qui est tic-tac, tic-tac à chaque fois qu'elle les pointait, et que s'il n'y avait pas d'arrière, comme si l'arrière de cette créature était brûlée. Elle passe à côté de toi, mais tu vois pas son visage. Vous partez comme des fous là, sur la route. Faites-moi un jet tous les trois de observer la situation. David, mais on peut pas l'abandonner quand même. J'en ai rien à foutre. David, je vais jamais aimer. Sur reste. Si on reste Emily. Matt, tu vois clairement dans le rétro qu'il y a quelque chose qui rampe sur la route et qui est en train de courir derrière vous très très vite. Putain, il y a un truc qui nous poursuit, bordel. Le moteur. Accélère comme un fou. Accélère okay. Comme un fou. T'accélères tout droit comme un fou, comme un fou, comme un fou. Mesdames et messieurs, vous êtes tous les quatre dans la voiture. Hey, il est 23h30 et je suis là pour vous rappeler de tout ce qui vient de se passer. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts. Toi, David, t'es encore comme ça en fait, t'as rien à la gorge. T'as l'impression d'avoir pris un coup dans la gorge, bah tu te rappelles. Tu te rappelles aussi que tes amis sont partis en te laissant crever à l'intérieur de la station service. Bon, parlons d'un truc plus fun maintenant. Entendu parler de l'équipe Channel Fear qui squatte à la maison à Hawthorne, hein? Ouais, je crois qu'ils vont préparer pour les frissons. Ils vont traquer les fantômes et dévoiler les secrets qu'on va raconter. Vous vous souvenez pas? Et maintenant, vous êtes barré quoi? Putain, mais toi, tu viens saquer par un truc. Ah, David, t'as rien à dire, c'est toi qui as voulu aller là-dedans. Je t'ai prévenu, mais j'ai quoi? La plus terrifiante. Franchement, je me demande à quoi ça peut ressembler. Alors, mes chers auditeurs, on continue à la radio. Restez avec nous pour une soirée qui va vous faire vibrer. Mais on t'a cru perdu, David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait transpercer. Qu'est-ce que... Non, mais le truc est là. On s'arrête pas cette putain de station. Mais si on s'arrête pas, on va rester bloqué en plein milieu de... Il faut qu'on répare absolument la fuite. Il n'y a plus d'essence, bordel. Merde. Il y a une station service. Pour réparer, là. Vous arrivez au niveau de la station. Vous voyez une porte s'ouvrir, qui est la porte des toilettes. Et vous voyez une jeune fille. Ah, c'est elle. Avec un sweat à capuche, des chaussures de rando et un sac à dos qui court à l'extérieur. Et qui passe en fait devant vous sur la route, qui traverse la route et qui commence à foncer vers la forêt. À l'intérieur de la station service, vous avez recevé le visage de Laszlo qui est à la fenêtre et qui vous regarde comme ça, qui a l'air un peu affolé.
Pour aider la petite. Ah, ah, on s'arrête. De toute façon, ça va encore recommencer. Attends, Lisa, vérifie si ce qu'on a filmé, c'est toujours dans la caméra. Je regarde. Parce qu'en même temps, là, les copains, on tient un putain de sujet, là. On tient un putain de sujet. Attendez, c'est... Vous allez tous perdre un niveau de santé mentale, s'il vous plaît. De stabilité. Attendez. De stabilité. Donc moi, j'avais moins de 2 heures. Et mais c'est dément, avec un reportage comme ça, n'empêche, on va faire la une, hein. Oui, bah attends, est-ce que c'est toujours dans la caméra, Lisa? Y'a toujours les images ou pas? Y'a rien. Oh putain, c'est pas vrai. Et dans mes enregistrements sonores? Rien du tout. Quoi? Notre interview a disparu? Vous voulez dire que tout ce qu'on a eu là, y'a rien dans la boîte? Oh, c'est super. Merde. Vous êtes arrêté là? Ouais. Ah, mais ça va. Allez, attends. Hein. Putain. Non, faut se tirer d'ici alors. Ah, mais la petite là, qu'est-ce qu'on fait? La petite a disparu dans la forêt. Non, mais sur la gauche, en fait, il y a un endroit où les arbres en fait s'écartent un petit peu, mais c'est totalement la nuit, hein. On voit rien dans la forêt. Attends, c'est comme la putain de photo là. Non, mais attends, on va demander à l'autre là, la slow là, ce qu'il a vu. Est-ce qu'il s'en souvient lui aussi de tout ce qui s'est passé? Ouais. Qui s'est fait dessécher? Vous rentrez? Mais qui fait quoi? On va faire un tour de table. Lisa, tu fais quoi? Est-ce qu'on a dans le matos, on a bien une barre en fer? Ah oui, il y a des trucs pour les... Oui, vous avez sans doute poser ça, les caméras, oui, un pied de caméra, ou... Oui. Bah, je vais prendre un gros pied de caméra. Ok. Et Tu vas où? Et bah, je vais aller dans la station. Pour le coup, t'as plus du tout envie de pisser, là. Ouais. D'accord, donc toi, tu vas à la station. Emily, tu fais quoi? Moi, je suis... On reste ensemble là. Ouais, on vient tous, on va tous dans la station. Ouais. Moi, je serai. Matt, tu vas dans la station? Bah, je reprends la caméra, moi. Je prends la caméra, tu vas à la station. Ouais, mais il faut réparer le van en même temps. Attends, parce qu'on en a à foutre. Tu prends ta caméra, mais ça sert à rien. Bah là, ça sert à rien de prendre la caméra, ça sert à rien de réparer l'essence, ça sert à rien. Y a rien qui sert à rien là. David, mais quoi, bordel? Laisse tomber, je dirais. On tient, pour une fois qu'on tient un putain de sujet, en fait, il n'y a pas moyen d'enregistrer, donc viens, on va juste essayer de se sortir de ce pétrin. Juste avant, viens. Il y a un récipient dehors, là. Ouais, il y a un petit bidon. Je le remplis d'essence. Ok. Je le remplis d'essence. Tu remplis un bidon d'essence, ok. Ouais, et je vais rentrer dans le... et je vais les suivre. Ok. Donc... rentrez dans cette station-service. Laszlo vous voit et fait: putain, c'était quoi ça? Quoi? Mais putain, mais vous l'avez vu là, le truc là qui rampe? J'allais rentrer dans la station et y a un truc qui m'a foncé dessus et je me rappelle de rien, et là tout d'un coup le biker est attablé, il a déjà bu une bouteille entière d'alcool. Il a vu, hein. Ouais, c'est le truc qui rampe et tout. Ouais. Moi aussi, il m'est tombé dessus. Mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre parce que tu vois, je le vois même pas d'ailleurs. Mais t'étais mort, Laszlo. T'étais mort. Comment ça, j'étais mort? Je suis pas mort. T'étais momifié, tu ressemblais à Moonface. Putain, à Moonface? C'est quoi? C'est des conneries, Moonface. Je vous ai raconté n'importe quoi la dernière fois. Mais attendez, on est trop cons. On est trop cons, les amis. Il nous a fait une blague, il a mis le masque et il s'est tendu par terre. C'est Halloween, c'était une blague. Je suis sûr. Vas-y, laisse-le. Ouais, c'est ça. C'était une blague. Oh putain, je cours vers le téléphone et je décroche. Tu décroches? Ah ouais, direct. Écoutez. Putain. Ça. C'est quoi ce bordel? Qu'on vous rappelle de rien. Oui, oui, là. Comme si... ils vont oublier ce qui se passe. Il faut que j'aille voir dans la forêt. Le dernier, là, pas les gars.
J'y vais. Doug. Il a dit qu'il... Il a dit... Attends, mais toi, il se mais c'est Doug, ça. C'était Doug. Il a dit qu'il devait aller voir dans la forêt. Il a dit qu'on se rappelait de rien. Mais ça veut dire qu'on serait pris une cuite ici, par exemple. Non, ça veut dire que peut-être que ce qu'on a fait là, j'ai l'impression que ça fait 12 fois qu'on le fait, et peut-être que les fois d'avant il était avec nous, sauf qu'il est pas rentré, sauf que il est parti dans la forêt. C'est ça. Attendez, ça se trouve on est dans une espèce de putain de boucle temporelle. Ouais, ouais, allez, l'autre. Hey, Spielberg, tu te calmes. Bon, ce putain de biker là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a le putain de biker? Il t'emmerde. Ça fait combien de temps que t'es là? Tu nous emmerdes et nous on va finir par t'emmerder aussi. Ouais, ça fait trop longtemps que je suis là, putain. Elle est où ma fille? Ah, ta fille. C'est Véronica ta fille? Et tu parles pas de ma fille comme ça, toi, hein, fais gaffe. Je l'ai vu. Tu l'as vu mon cul? Tu l'as vu où toi là, ma fille? Elle s'est enfuie dans la forêt, ta fille. Nap, il se lève et il a l'air de. Qu'est-ce que tu racontes, toi, petite conne? Il vient et essaie de te mettre une. Fais-moi éviter les dégâts. Il essaie de te mettre une baffe. Ok, tu réussis à t'éloigner, mais il est bien sous, tu vois. Fait. Jamais tu parles comme ça, tu me parles, moi je suis pas un péradine, tu vois. Mais regarde-toi, espèce de grosse merde, t'es en train de boire alors que ta fille elle pleure dans les toilettes et qu'elle s'enfuit dans la forêt, t'as pas honte? Quelle toilette? Y'a personne dans les toilettes, n'importe quoi. Elle a dit, elle m'a dit qu'on se retrouvait ici. Tu vas venir dehors, on va la trouver et tu vas venir chercher ta fille. Ouais, n'importe quoi, pourquoi elle serait dehors ma fille? Il pleut en plus. Il y a le truc dégueulasse qui traîne là. Moi aussi je l'ai vu marcher là, il est à moitié fondu le truc. T'as pas peur qu'il tue ta fille? Ou est-ce que tu l'as vu le truc? Comment ça il tuerait ma fille? Je comprends pas, c'est quoi? Mais qui vous êtes vous? Mais la putain de merde, de bête, elle va tuer ta fille, espèce de teubé, de teubé. Eh, arrête un peu, toi. Attends, ta fille, c'est une gamine. C'est le bruit, il recommence. Non. Oh putain, la bête, elle arrive. Venez, on se casse, faut aller dans la forêt. C'est là, Doug. Non, mais la forêt, y'a rien de pire. Attends, retourne en van. C'est quoi encore cette horloge de merde, là? C'est les bruits de pas de cette putain de bête. Regarde sa montre, il est là. C'est les bruits de pas, je l'ai vu. On se casse. C'est elle qui... Moi je me recule. Ouais. Faut aller voir dans la forêt. Il y a la slow qui me regarde et qui fait. Oh putain, oui, ça me dit un truc le bruit là. Ça me dit un truc, je crois que. Quand je suis rentré là avant de tout oublier, j'ai entendu un bruit comme ça. Emily, cours, sors de là. Attends, viens la slow, il faut partir. Viens. On sort. Sortez. Ouais, on va dans le van. Moi je vais pas dans la forêt. Ok. T'es parti dans la forêt. Et la slow, alors c'était pas une blague, t'as pas mis le masque de Moonface? Vous sortez. Ouais. Mais non, c'était pas une van! Vous sortez, vous allez au van. Oh là, on va aller dans la forêt. Faites-moi un jet d'agir sous la pression. Oh non. On peut pas aller dans la forêt. Moi je vais pas dans la forêt. Si on va dans le van, on recommence l'histoire. Vous comprenez, si on reste dans la station, on meurt. Il faut trouver la station. On a qu'à foutre le feu, la station. Allez, on met le feu. Ça sert à rien, okay. Si on part après, on va revenir encore. Gardez le problème dans la forêt. Mais c'est ce lieu. T'as raison. Vous gardez un tout petit peu votre calme. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez faire. Par contre, Doug, lui, il veut absolument. Laszlo veut absolument pas aller dans la forêt. Lui, il veut aller dans le van et se barrer parce qu'il est persuadé que le truc arrive là. Sans le van. Et je vais pas vous répéter 10 fois, vous savez comme moi, le van il vous mène toujours au même endroit à cette station. La station, si on reste là-dedans, on sera tous morts. Donc il nous reste que la forêt. T'as raison, il nous reste que la forêt. Le problème c'est le lieu, il faut mettre le feu ici. Il faut brûler cette station. Emily, si tu mets le feu et après on se barre, on va revenir, la station sera entière. T'as pas compris encore? On est dans une boucle temporelle. Et dans la forêt, qu'est-ce qui t'attend à part ouais, des là. Créatures et des. Des moodface, Et la suite de l'énigme à résoudre, là, il y a Doug. Je l'ai eu au téléphone, vous l'avez entendu comme moi, je vous ai répété, c'est Doug. Il est parti dans la forêt, okay, comme cette gamine qui a traversé devant nous. Allez,
Prends la barre en fer, moi je prends le truc pour écouter, ça pourra toujours nous servir. Ok. Moi je prends, je prends la caméra ou pas, David? Prends la caméra, si, si, attends, non, prends pas la caméra. De la boucle. Ouais, je prends la caméra avec le flash. Allons-y alors. Vous voulez tous les quatre partir vers la forêt là? Ouais, et moi je prends le bidon d'essence. Ok. J'ai rempli tout à l'heure. Donc, de l'autre côté de cette route, c'est le début de la forêt qui est dans le noir le plus complet. Attends, David, tu veux pas braquer les phares du van sur la forêt, qu'on ait un peu de lumière quand même? Ah, il y a le flash de la caméra. Et on a des lampes torches. On va pas s'en lancer. D'accord. Alors? Je vais faire braquer le van. On y va. Ok. Donc vous... Perdons pas de temps. S'apprêtez à traverser la route lorsque vous apercevez quelque chose qui rampe sur le sol depuis la forêt. Quelque chose qui a deux très longs bras en forme d'aiguille, et à chaque fois qu'elle les pose, ça fait ce tic-tac que vous entendez. Okay. Elle a un corps assez allongé. L'arrière de son corps est étonnamment filasse, je dirais même un peu carbonisé. Ouais. D'ailleurs, la lumière grésille un peu quand elle passe à la lumière des réverbères et que vous voyez son visage à cette chose qui se dresse vers vous. Son visage, c'est ça. Et là, vous entendez un hurlement. Et vous me faites tous un jet d'agir sous la pression. Oh bordel. Ok, donc Matt, tu lâches la caméra. Emily, tu es figée de peur, mais tu peux encore choisir ce que tu fais. Même chose pour David. Moi, je fais 14. Et toi aussi, tu peux choisir, mais en fait, la chose avance vers vous très rapidement. Je me rue dans le camion encore une fois. Ok. Enfin, je verse de l'essence au sol, devant d'accord. Nous, là. Donc toi, tu et verses de l'essence, ok. Ouais. Matt, toi, tu fuis. Je me casse vers le van. Emily, tu peux encore choisir pendant quelques secondes ce que tu vas faire. On s'en fait qu'un tour, je ramasse la caméra et je filme. Donc tu restes avec, avec David. Mode, tous les deux, vous faites quoi David. Vous êtes dans le camion. La chose se rapproche. Je démarre. Tu démarres le camion. Ouais. Et tu pars. Non. Ok. Je suis en panique. J'attends, je regarde ce qu'ils font. Ils commencent à faire chauffer le moteur par contre. Voilà, c'est ça. La chose s'approche lentement, comme si elle rampait de vous. Et là, elle est en train de traverser la route. Nous on s'est reculé, quand j'estime qu'elle est sur la nappe d'essence, je mets le feu. Et je filme. D'accord. Donc effectivement, à un moment, elle va traverser cette nappe d'essence. Et tu fais quoi? Tu jettes une allumette ou un truc comme ça? Non, pas alors, là il pleut tout ça, j'ai mon zippo. Je suis comment au sol, j'ai d'agir sous la pression pour voir comment tu vas arriver à allumer ton zippo sous la pluie battante. Ça brique et tempête, hein. Ça va, David, t'arrives à garder ton calme alors que la créature s'approche de toi et ça s'embrase. Bien joué, David. Ça s'embrase et tu vois qu'elle s'embrase aussi. Tu l'entends hurler, en fait. Toi, tu filmes, Emily? Ouais, je filme. Donc, dans l'œil ton de ta caméra, ce que tu vois, c'est des flammes. Tu vois David qui a jeté son zippo, il est là avec ses lunettes. Et petit à petit, tu vois sortir du feu une silhouette qui continue à ramper. Tu vois une pique qui se dresse et qui transperce la tête de David. Avec du feu et ça fait... Qu'est-ce que vous faites dans le bus? Vous partez, ok. Donc vous êtes parti sur la route. Émilie. Et moi je cours. Attendez-moi. D'accord, donc tu cours. Les autres sont partis. Et au bout d'un moment, dans ton dos, il y a quelque chose qui se rapproche en rampant.
jusqu'à ce que tu sentes sa Emily présence et que tu te retrouves avec tes amis dans le van. Sauf que tu vas me perdre, et David et Emily, vous me perdez un niveau de stabilité, s'il vous plaît. Non mais, moi je suis déjà au 36ème dessous, alors. Eh oui. On n'avait pas le choix, fallait se tirer. On savait bien qu'en partant, on reviendrait dans la boucle. Je suis névrosée déjà à moi. Ah non. Hey, il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Ouvrez les fenêtres, préparez-vous à danser avec la tempête, car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. Ah. C'est pas possible, merde. Attendez, faut qu'on règle le truc là. Quand on arrive, faut direct aller dans la forêt. Avec l'essence, avec tout. Attendez. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut toujours crever, on retourne toujours dans le van. Ouais, sauf que c'est tenté que quelqu'un le prenne. C'est tenté que quelqu'un le prenne. Ouais, c'est ça. Si on meurt tous, je ne sais pas si on va revenir. Bah, qu'est-ce que ça fait comme différence qu'on meurt tous ? Si on meurt tous, personne n'est dans le van. Et si personne n'est dans le van, il y a de la boucle de recommande peut-être pas. Je vois pas ta logique là, Lisa. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, on est condamné à vivre cette scène des milliards de fois, donc on peut mourir et recommencer. Non mais tu vas pas, les choses évoluent à chaque fois. Tu vas arriver à une station service. Lisa, tu vois quelqu'un sortir des toilettes, cette petite fille, et courir vers la forêt. Tu sors ? Je sors immédiatement, j'essaie de l'intercepter. Vas-y, moi aussi je sors. Véronica, attends ! Attends ! Ok, donc vous courez vers elle ? Ouais. Ok, vous réussissez à l'intercepter. Putain, mais vous comprenez pas, elle va revenir. Elle va revenir alors, encore et encore. Mais comment on fait pour s'enfuir alors? J'en sais rien, je comprends pas ce qui se passe. Il faudrait retrouver Véronica. C'est quoi, dans la forêt? Mais je sais pas moi, Véronica, bande de tocards, je vous l'ai dit, c'est pas moi. Est-ce qu'elle est Véronica dans la forêt? Elle est où? C'est ma copine. Elle est où? Elle fait quoi? On était dans la forêt toutes les deux, on a donné rendez-vous à son père pour qu'il vienne nous chercher, et il a mis tellement de temps, on s'est barré dans la forêt, et là on a vu le truc là, le Moonface là. Du coup on a pris peur, et moi je suis revenu à la station service, et elle est partie dans les bois. Je sais pas où elle est partie. Dans la forêt, c'est pour ça, il faut que je la retrouve. Ramène-nous là où tu l'as vu. Ouais, allez, vous étiez. On te suit. Allez, on te suit, ramène-nous. Okay. Vous étiez. Là elle part directement vers les bois. Vous faites quoi? Je prends une barre en fer et je repars. En direction de la station service, vous voyez que Laszlo est en train de clouer des planches de bois contre la fenêtre de la station service, justement. Les choses évoluent à chaque fois. Vous allez vers la forêt donc avec elle, c'est ça? Moi je prends mon micro parce que cette fois je commence à me dire que quoi qu'il arrive on est immortel en fait et que ça peut faire un super sujet. Oui, enfin, non, ça sert à rien. Tu prends aussi conscience qu'à chaque fois, t'as l'impression quand même d'aller plus mal, parce qu'en fait, là, ma chère Émilie, tu es névrosée là. Putain. Ouais. Donc ça veut dire que tu commences à être de moins en moins capable de. Ouais, d'accord. En fait, voilà. Même si je suis immortel, je suis complètement starbée. Donc vous partez. Juste que si on la retrouve, il faut pas crever, parce que si on crève, on crèvera vraiment, quoi. Cette forêt est particulièrement obscure. Et la jeune fille marche devant vous à vive allure, tout droit, comme si elle connaissait le chemin, dans une espèce de sentier. On la suit, un clair qui est torche. Doug! Je commence à crier. Attends. Doug! Attends, Véronica! Tu vois, tu vois, créature. Ouais, merde. C'est vous! Vous marchez une trentaine de mètres. Et vous voyez qu'elle s'est arrêtée. Et il y a, à peu près à 1 mètre du sol, une silhouette qui flotte. Avec un. Visiblement un visage blanchâtre
Et elle est arrêtée, elle a l'air de le regarder, c'est à une vingtaine de mètres devant vous. C'est une silhouette petite, humaine. Non, elle est assez bizarre, elle est assez allongée. Qu'est-ce que vous faites ? Elle a déjà vu ça, petite. Elle est devant. Elle est devant vous. On s'approche. Ouais, je la rattrape. T'as déjà vu ça ? Flash. C'est pas la créature, ça ? Bah, en l'éclairant, ce que vous voyez que c'est un drap qui a été mis autour d'un branchage, qui a été accroché à une branche d'arbre et au sommet duquel on a mis un masque. Elle vous dit, c'est là qu'on est venu avec ma copine et on a pris cette connerie pour ce saloperie de Moonface alors que c'est juste une blague de ces abrutis qui habitent dans le coin là. Et moi j'ai pris peur parce qu'il y avait moins de lumière et tout, j'ai pris peur et je suis retourné à la station service, mais Véronica elle est partie là-bas. Elle vous montre une direction qui est en fait parallèlement à la route par laquelle vous êtes arrivé, dans le sens d'où vous êtes arrivé en fait. D'où vous venez en fait, mais dans la forêt. Allons-y. Faites-moi un jet d'observer la situation. Ouh. J'ai fait 2-10. Ok. David. Ouais. Et Emily. Vous. Et Matt, en fait. En vous tournant dans la direction où a montré cette jeune fille, vous apercevez tous les trois qu'il y a quelque chose sur le sol. Une silhouette. Sur le sol à quelques mètres de vous, mais elle est dans les fougères étendues sur le sol. C'est là. Vous approchez ? Qui s'approche en premier ? J'y vais. Ouais. Elle ouais. Bouge la silhouette ou elle est inerte ? Elle bouge absolument pas. Ah, on s'approche alors. Ah, c'est là. C'est la petite, j'en suis sûr. C'est Doug. Ça a l'air d'être un homme. Il est couché sur le dos. Vous voyez d'abord ses mains, elles sont comme desséchées. Puis après, petit à petit, son visage. Vous reconnaissez les vêtements, c'est Doug. Oh purée, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est complètement desséché et vous voyez qu'il serre quelque chose dans la main. Je le prends. Tu le prends ? Ouais, qu'est-ce que c'est ce putain de truc quoi ? Ça veut dire que on était là à 23h30, enfin à 23h30 visiblement il était là et nous arrivons toujours à 23h45. Non, la voix dans la radio, il est 23h30 précise quand on entend la voix de la radio okay. dans le van. Et du coup, il y a un truc avec 23h30. 23h30, c'est quoi ce bordel ? 25 minutes, non, c'est le bruit. Il faut qu'on retourne dans la voiture et qu'on réfléchisse à ça, qu'on le prenne, qu'on réfléchisse dans la voiture. Sinon, on va tous. Si on prend la voiture et qu'on repart, on va revenir au même endroit. Oui, mais là, on va tous réfléchir. On réfléchisse. Cassons-nous. Il a raison. Allez, les amis. Allez, on se casse. Il y a la petite. Viens avec nous. Elle fait non, je veux retrouver Véronica. Elle part. On va la retrouver. Non, mais reviens. C'est pas grave. C'est trop dangereux. On la retrouvera. Viens avec nous. Moi, je m'en fous. Mais... Je pars vers la voiture. Tant pis pour elle. Moi aussi, je m'en vais cette fois. Ouais, bon, c'est bon. Je casse. Vous partez tous ? Vous êtes tous partis ? Ouais. Ok. Vous revenez à la station service, donc. Ouais. À la station service, vous voyez que... le motard est sorti. Et il a un couteau à cran d'arrêt à la main.
Eh, viens, saloperie! Je vais te saigner! Tu vas voir, cette fois, si tu vas m'avoir, saloperie, je vais te crever ta sale gueule! Il est complètement bourré, là, à l'entrée du... Moi, je l'ignore, en fait, je rentre dans la station service. Non, faut rentrer dans le van, hein. On se pose dans, le van. Moi, je vais dans le van. On démarre le... Et puis, s'il faut, on se barre. Et je prends bien la carte, comme ça, là. J'ai bien le plan dans la main. On regarde le plan là, tout se concentrer sur le plan putain. Et je démarre. Regarde, il y a une croix et deux points là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Un gros point noir, ça fait un triangle. C'est pour ça que je vous proposais d'aller dans la station service parce que peut-être que Laszlo pourra nous indiquer. Parce que c'est une carte hein. Bah, les croix, on lui demandera la prochaine fois qu'on vient là. Vous démarrez. Là, la créature est là, c'est trop tard. Vous partez? Ouais. Ok. Alors, pour toi, ouais. J'ai bien le plan dans les mains. Vous partez sur la route. Petit à petit, la lumière de la station-service commence à disparaître dans votre rétroviseur derrière vous. Et puis, vous voyez qu'il y a devant vous, comme la lumière d'un réverbère qui s'arrête, qui reprend. Je roule au pas. Tu roules au pas. J'ai bien la carte. Tout doucement. Tout doucement. Encore tout doucement. Et puis... La carte n'est plus dans tes mains. Ah. Ah mais voyez... J'ai tourné la tête, elle est plus là. Mais je pourrais la refaire, hey. Il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Fais-le Lisa. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Moi j'ai un crayon, vas-y. Je prends un truc et je note. Je vais arriver à danser avec la tempête, car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. Éteins ça. Un petit conseil. Avant de vous lancer dans la nuit, gardez l'œil sur le ciel et soyez prudent. On sait jamais ce que Dame Nature nous réserve, non? Bon, parlons d'un truc plus fun maintenant. Vous avez entendu parler de l'équipe Channel Fear, qui squatte à la maison Hawthorne, hein? Ben, je crois qu'il faut vous préparer pour les frissons. Là, ils vont traquer les fantômes et dévoiler les secrets de cette baraque hantée, à mon avis. Et maintenant, une petite dose d'humour pour vous mettre en forme. Vous avez suivi le concours de courge cette année, ouais. Vous avez entendu, bien sûr. Apparemment, ils sont à la recherche de la courge la plus terrifiante. Franchement, je me demande à quoi ça peut ressembler. Alors, mes chers auditeurs, on continue à mettre le feu sur Radio Oxville avec des sons qui déboîtent. Restez avec nous pour une soirée qui va vous faire vibrer. Prenez soin de vous aussi. Évitez les courges effrayantes, hein? Allez, à bientôt, c'est parti. Pas donné d'heure, là. Vous trouvez pas étrange? Il dit qu'on squatte déjà la maison, là, non? C'est arrivé à une station service. La petite est en train de courir et de traverser. On va retrouver le plan déjà. On la suit. On va récupérer le plan dans la main de Doug. Si. Vous la suivez direct? Ouais, et a priori on va vraiment en face. Donc sur la carte, ça serait sur le point d'interrogation qu'il y avait en face. Ouais. Si je me souviens bien. Lorsque vous la rejoignez, elle vous dit... Vous m'avez laissé la dernière fois! Elle m'a rattrapé dans les bois. Il faut se dépêcher, sinon on n'a aucune chance de la retrouver, Véronica. Ah oui, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Ça, Allez, 5 minutes. Allez, go. On trouve le plan. Partez dans la forêt. J'ai dessiné le plan, je l'ai dessiné. On part dans la forêt, oui, évidemment, on n'attend pas une minute. Et on va vraiment d'interrogation. En face. Ouais, le point d'interrogation, c'était le drap. Exact. Le plan. Ok. Et en fait, en longeant la route, le point... Il y a une croix et un point à gauche là. Ouais, t'as raison. Le point, c'est Doug. Et la croix, c'est pas ce que c'est. Et du coup, faut pas aller en face dans la Fais-moi forêt. Fais-moi un jet de. Matt, fais-moi un jet de. Chercher des indices. Yes. Ok. Tu t'intéresses justement au fait de positionner tout ça et tu te dis que si la station c'est le gros carré, oui. Le point d'interrogation c'est l'endroit où vous êtes allé tout droit en fait. C'est-à-dire c'est là où vous êtes actuellement et où il y a le cadavre de Doug aussi. Ah ouais. Ouais.
Là, le point tel que tu l'as décrit, c'est-à-dire le point noir, ouais, on sait pas ce que c'est. Il est bien en amont sur la route d'où vous venez. Ouais. Le long de la route d'où vous venez, mais il y a au moins, à l'échelle du truc, au moins 500 mètres, quoi. Il est retourné en bagnole. Ouais, et la croix, elle est à ce niveau-là, mais dans la forêt, côté station. Ouais, et c'est quoi le... Vous faites quoi, là? Attendez. Venez, on retourne la croix. Les ronds là, c'est des arbres, à votre avis, quand il fait des ronds comme ça, là, c'est pour signifier la forêt? Ouais. Vite, allez, on a pas de temps. Attendez, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête pas à la station? Vous faites quoi là? On va à la croix. On en discute, attendez. Non, venez, on va à la croix, on n'a pas le temps. Et après, on testera ton hypothèse, Matt. Okay. On a 5 minutes à chaque fois, ou très peu. Ok, en tout cas. On trace allez. À la croix, ouais. Donc vous faites quoi? Vous traversez par la forêt ou vous revenez sur vos pas et vous remontez par la marche route? Marche sur la route. Si à 500 mètres, on les fait à pied en courant et on va. 500 mètres, on va essayer d'estimer où est la croix. À pied. On prend le van, ça ira plus vite. Ouais, on prend le van. Vous prenez le van. On fait un gros demi-tour et. Et vous avez vu qu'il a marqué 5 minutes aussi. C'est quoi ces 5 minutes, putain. Pour là, moi, c'est le carré dans lequel tout se passe. Compté. C'est un carré de 5 minutes sur 5 minutes. 5 ah minutes ouais. Peut-être en voiture. Ah ouais, si on passe 5 minutes en voiture, ouais. On revient dans ce truc-là. Ah, c'est ça. Et même de l'autre côté. Sur les 4 côtés du carré. Ah, mais t'as raison, c'est pour ça qu'il met 5 minutes, putain, quoi. On peut pas en sortir, quoi. Ah ouais. Ce qui me pose question, c'est comment il a pu sortir. Si nous on était là avec lui, et qu'il a vécu ça avec nous, comment il a pu sortir de cette boucle? Alors. Parce que... Je dis on chronomètre 5 minutes parce qu'apparemment la croix elle est pile sur la limite des 5 minutes. Ouais, mais là ça fait déjà 5 minutes qu'on est là. Ouais. Ah. Est-ce qu'on reprendrait pas la voiture et on continue on ouvre juste une nouvelle. Ouais, on reprend une boucle. Ouais. Non, mais je comprends pas ce que vous dites. On est déjà resté beaucoup. Écoutez, beaucoup plus de 5 minutes. On va être une dimension ça. On reprend le van. On trace. Ouais. On va revenir dans la boucle, on sera au début. Et de... on s'arrête tout de suite. Dès et qu'on au début voit, de la boucle, on s'arrête. Et on s'arrête tout de suite. Parce que ça et se on va dans c'est la une forêt. Espèce de portail. Comme dans la quatrième dimension. On passe ici, là. Entre la croix et le rond. C'est là que ça commence. Radio, c'est là qu'on rentre dans la boucle. Dès que la radio s'allume, on s'arrête. Allez, vite, ouais. vite, allez. Ça va recommencer. Vous revenez. Allez, on se tire. Ok, donc vous revenez à la station service. Ouais. Oui, enfin, on trace tout droit, quoi. On s'arrête pas à la station. Ok, donc vous revenez à la station. Et vous rentrez dans le van et vous repartez direct. Exactement. Ouais. Ok. Donc vous partez sur la route. La station service disparaît petit à petit. Dans votre rétroviseur, il y a comme un grésillement d'un des lampadaires. Et puis... On s'arrête. Vous arrêtez. Il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Allez. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Ok. Ouvrez les fenêtres. Vous êtes sur le bas-côté. On descend, et on sort les flashs et on fouille. Dans la peut-être déjà s'intéresser au point noir parce qu'il est sur oui. la route. Hein. Oui, t'as raison, il est l'autre hop. Plus enfoncé. Vous êtes sur la route. Ouais. Alors là, ok. Donc là, on est sur le côté gauche. Sur le côté gauche, et donc la station elle est vers le nord là, quand on monte, t'es d'accord? Oui. Donc s'il y a un point, c'est à peu près là quoi, où il y a le lampadaire. D'ailleurs le point noir c'est peut-être le lampadaire. Ah, vous êtes... C'est ça là. Ouais, je vais regarder au pied du lampadaire. Là vous êtes arrêté là. Ouais. Je vais vous dire plusieurs choses. La première chose c'est que... Vous voulez regarder à droite ou à gauche de la route? Enfin, sur votre droite ou sur votre gauche? Quand on regarde le plan de Doug, le point noir, il a l'air d'être plutôt sur la route. Donc on regarde sur la gauche. À gauche. À gauche, ouais. Sur la gauche. Par ici. Ok. Donc vous me faites un jet. Non, vous n'avez pas besoin de me faire de jet. Vous sortez et en fait, en allant là, vous remarquez une tache de sang assez énorme. Beaucoup de sang. C'est là où la bagnole a tapé le cerf, ça se trouve. Il pourrait aussi y avoir un peu de bout de chair à
cet endroit. Et des poils. Des poils, j'ai des poils, ouais. Flash. Ça ressemble à ceux qui étaient dans le coffre du cerf. Ouais. Voilà. Ça pourrait être ça, ouais. Mais ah, vous remarquez clair, autre chose aussi. Sur votre droite, il y a un lampadaire à droite, là. Ici. Ouais. Qui a été percuté, visiblement, parce qu'il est plié en deux. Et la partie la plus haute du lampadaire est dans la forêt, en fait. Il s'est couché dans la forêt. Vous voyez pas vraiment où elle est, mais vous voyez que la tête est dans la forêt. Ah. La voiture a tapé le cerf et ensuite elle a été se foutre dans le lampadaire. Il y a des bruits de glace, il y a quelque chose. Sur le lampadaire ? Ouais. Fais-moi un jet de. Observer la situation. Et si c'était le radiateur, il n'y a pas forcément cassé de phare. Bon. Il y a peut-être des traces Matt, de peinture. Ouais, il y a une trace de peinture rouge. Ah, c'est là. La voiture elle est bleue pourtant. Ouais. Et la nôtre, elle est de quelle couleur? Rouge. Ah, et si c'était nous qui avions percuté et si on était mort? On n'avait pas de voiture pour la nôtre. Arrête. Ah oui. Attends, moi j'ai des. Je flippe là. Vous entendez? Attendez, poussez-vous, vous entendez? Il y a un bruit de voiture. C'était le moteur de votre voiture ça. Ah ok. Ah. Attends, ça se trouve, on s'est planté. Doug, il y a un truc qui est apparu, on s'est barré tous dans la forêt, on est coincé. Doug est mort, attaqué par Moonface. Attends, bordel. Alors, elle partait pas dans tous les sens là. Où est-ce que le temps boucle comme ça? On est mort, on est peut-être dans une dimension genre purgatoire ou autre. Ou alors, t'as dit un truc important, David, tout à l'heure, t'as dit que l'animateur de la radio il disait qu'on était déjà dans la maison. Si fait, on est dans la maison, et la maison, c'est une faille temporelle ou une faille vers une autre dimension, et on tourne en boucle dans cette maison, même si ça a l'air d'être l'extérieur, c'est peut-être un intérieur. Vous n'allez pas me refaire tous les épisodes de tout ce qu'on a vu, vous laissez pas. Ouais, là, on a quelque chose à trouver en face. Bon, ouais, on va chercher la croix, là. On s'enfonce dans la forêt, on flash. Ok, en fait, la croix, vous comprenez assez vite qu'elle pourrait correspondre à peu près à l'endroit où le lampadaire est tombé. Ouais. Ah, c'est ça. Donc vous remontez dans la forêt et au bout de ce lampadaire, sous la tête du lampadaire, il y a un corps. Ce corps est à moitié écrasé à partir des jambes par la tête du lampadaire et il s'en dégage comme une odeur de brûlé. C'est le corps d'une petite fille. Et elle a sur elle un. Elle a les mains comme ça. Et elle a sur elle une montre. Ben, ça va être écrit 20h30. Je regarde la montre vite fait. Ça veut dire qu'on l'a percuté quoi. Le cadran de la montre est brisé et il est arrêté à une heure. 23h25. 5 minutes. Attends, on l'a percuté, mais on a percuté un cerf. 5 minutes avant la boucle. Aurait percuté le cerf et après la gamine qui était à côté du lampadaire par hasard on s'est pris de lampadaire lui est tombé dessus. C'est quoi ce délire? Non. C'est... Non. Attendez. Oh, non. Je remonte attendez. Vite au niveau de la voiture. Ou alors on a percuté la gamine alors qu'elle était dans sous une forme animale. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout s'il te plaît. Attends, on va réfléchir dans la voiture. Allez, on retourne dans le van. Et vous allez où avec le van? On avance tout droit. On trace tout droit jusqu'à la station. Même on non, dépasse la station. On s'arrête pas à la station, non. On trace. Ok. Ou alors on fait un tour en arrière? On retourne en arrière? Marche arrière? Ouais. Mi-tour. Ouais. Moi je vais rester là. Ouais, on fait demi-tour. Non, reste pas là, t'es fou. On va faire demi-tour. Moi j'en ai rien à foutre, tu peux rester là, David. Vous faites demi-tour? Vous faites demi-tour? On fait demi-tour, David. Non, David, il reste là. C'est une très bonne idée. T'es dingue. Non, mais je comprends pas que tu vas revenir là, de toute façon. Non, mais. Faites demi-tour. La créature, là, David. Oui, si on vient pas dans la même boucle que toi, tu vas être là tout seul comme un con. David, tu rentres dans la voiture ou tu fais demi-tour avec eux? Je rentre dans la voiture avec eux, ouais. Ok. Vous remettez le moteur, vous faites demi-tour.
Ah. Ça va être pareil, tu vas voir. Oui, on va retomber sur la route. Mais raconte ce que... Vous partez en sens inverse sur cette route. Okay. Vous roulez et... Il y a quelque chose de différent. Vous avez l'impression que... Il se passe un peu de temps. Peut-être... une minute avant d'entendre... Ah. Ouais, j'ai cru qu'on était sorti du truc là. Ouais, non. Attendez, arrête-toi. Je m'arrête. Hey, attendez, réécoutons. Il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. 5 minutes après. Salut à tous nos auditeurs. J'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Ouvrez les fenêtres, préparez-vous à danser avec la tempête car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. Ah. Pensez qu'il s'est passé une minute. Ouais, attendez, j'ai une théorie. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que Laszlo, là, à la station, nous a parlé qu'il y a 100 ans, la famille qui avait abandonné une petite fille qu'il avait laissée et tout, elle avait été récupérée par des loups. C'est les loups qui l'ont élevée. Et il paraît que son visage avait changé, elle avait des crocs, etc. Et si ce qu'on avait tapé, c'était pas un cerf, c'était cette petite fille. Et que le cadavre qui est sous le lampadaire, c'est cette petite fille, mais qui a retrouvé son apparence humaine. Est-ce que vous voyez êtes... comme un truc de loup-garou, quoi. Vous roulez ou pas, ou vous roulez pas, là? Non, non, on est arrêté là. Okay. On est arrêté. On s'est arrêté au même endroit que tout à l'heure, ouais. À côté du lampadaire. Ouais, mais cet enfant, c'est peut-être. C'est une petite fille ou c'était une ado? Parce que. C'est Véronica ou c'est ça pourrait être Véronica aussi? C'est Véronica. Mais Véronica, oh. Ça se trouve, c'est le cadavre de la petite fille, ça fait longtemps. Tu l'as sûrement dit, mais est-ce que ça fait longtemps qu'il est cadavre? Vous voulez aller le voir? Mais ça fait 5 minutes. Normalement, il y a 5 minutes. Et puis on le fonce, on prend la montre, on le donne au biker. Si la montre, et même, sa on va la ramener elle. On va la ramener elle. Ouais, non, mais on la ramène au biker. Enfin, en même temps, on peut lui ramener un cadavre. Non, mais déjà, c'est une petite fille ou c'est une ado? C'est pas la même chose. Bah, vous allez voir le cadavre? Ouais. Parlez pas dans la voiture à vous poser des questions. Bah, en fait, on a vu le cadavre, du coup, en fait, on se posait la question. C'est Nado, c'est une petite fille. Il faudrait peut-être aller voir. Ah, on va voir. Bon, on y retourne, ok, d'accord. Vite. Elle est juste à côté. Elle est habillée plutôt comme une ado. L'ado. Et elle a une montre sur laquelle il est écrit 23h25. Comme si elle s'était brisée au moment où elle a été écrasée. Vous remarquez aussi quelque chose, c'est que ses jambes sont comme grillées. Peut-être par le lampadaire. Ah. Comme la créature. Oh, putain, la créature, oui. Elle a des jambes aussi. Ah. Attendez, comment vous expliquez la trace de sang qu'on a tapé là, l'animal avec la fourrure et la fille sous le lampadaire. Ça croit à ta théorie là. Mais c'est surtout loup-garou. Est-ce qu'il y a encore du sang? Est-ce que les brûlures sont chaudes? Enfin, 5 minutes. Attendez, il faut absolument qu'on aille retourner voir la gamine, la première là. D'où elle connaît, la Véronica. Peut-être qu'elle aura des informations sur Véronica et ça nous éclairera. En tout cas, elle est pas vêtue comme une gamine d'il y a 100 ans, hein. C'est ça. Vite, on peut pas perdre de temps. Non, attendez, Matt, t'as omis un détail dans ta théorie, c'est que sur le réverbère là. C'est une trace de peinture rouge comme notre camion. Ça veut dire que si fait, c'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui avons percuté le réverbère. Il y a de fortes chances, mais on a percuté parce que juste cadavre, avant on a percuté. Ça fait longtemps qu'il est là. Est-ce que sur le camion, t'as regardé, Matt, si sur le camion s'il y avait une trace d'impact? Non, là, c'est le truc, non, il n'a pas regardé. Non. On a tapé un truc. On monte et on regarde. Et en tapant ce truc, l'avant on a fait une embardée droit, et on s'est foutu dans l'avant l'embardée. Droit du camion est enfoncé au niveau. Ah! Et est-ce que l'avant gauche, il y a du sang? Est-ce qu'il y a je regarde tout le camion, est-ce qu'il y a des traces de sang ou de poils? Non. Alors pourquoi non, ça? Non. On a tué cette petite fille et c'est pour ça qu'on est bloqué avec elle. Il y a quelque chose comme ça. Non, mais attends. S'il n'y a pas de traces de sang, alors on n'a pas tapé la bête. C'est pas nous qui avons tapé la bête, c'est le mec. C'est le mec. L'oncle de Laszlo. Et nous, pourquoi
on aurait tapé le lampadaire du coup. On a vu le truc par terre, on a flippé, j'ai fait une embardée, on a pris le lampadaire. Et pile, à ce moment-là, la fille qui était en fugue, elle était là au niveau du lampadaire et puis... Il faut qu'on retourne voir la gamine. Oui. Partons, allez, faisons demi-tour. Ah, partons, vite. Ah ouais, viens, vite, on y va là. Vite. On retourne dans le camion, on démarre, on se barre. Et là, d'un seul coup, on parle directement. Vous faites demi-tour? Ok, il y a une minute, on dirait. Vous faites demi-tour. Allez, retournons à la station. Il faut absolument qu'on parle à la fille. Vous faites demi-tour. Quelque chose a changé. Il est... Parce que vous avez compris la dernière fois que c'était un rapport avec le temps. 23h28. 23h29. 23h30. Hey, il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Salut à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui va te décoiffer. Et vous êtes là. Ouvrez les fenêtres, préparez-vous à danser avec la tempête, car il semblerait qu'un sacré orage se profile à l'horizon. On va essayer de retrouver avant de vous lancer dans la nuit, gardez l'œil sur le ciel et soyez prudents. On ne sait jamais ce que Dame Nature nous réserve, non? Bon. Si à la petite, on lui disait que... Vous allez à la station? On la prend dans la voiture et on fait un tour. Et on revient jusque-là, avec elle. Oui. Ouais. Et à un moment, il faut confronter des choses, non? Prendre le cadavre dans la voiture et te casser et revenir dans la boucle avec le cadavre. Non. C'est la gamine. La gamine. La pote de Véronica. On l'amène avec nous. Et pourquoi pas le biker? On sait qu'on a vu sa copine et il faut qu'elle vienne avec nous. On va faire ça. Vous faites quoi? Mais tu m'as dit, Matt, que Véronica appelait son père pour qu'il vienne la chercher. Peut-être que si on réunit le père et la fille, ça peut rétablir quelque chose. Bah, tu crois que le père, c'est le biker? Bah oui, c'est le biker, le père, évidemment. Il a dit que c'est le biker, c'est sa fille. Faut prendre les deux avec nous. J'ai peur de voir la réaction quand il va voir le cadavre de sa fille. Hein. Bah ouais, mais... Il a remords et qu'il a un schlass. On pourrait en emmener. En fait, c'est pas l'oncle qui a percuté le CR1, c'est le. C'est le fils, c'est Laszlo. C'est le fils, ouais, c'est Laszlo qui a percuté. Neveu. Donc en fait, là, il y a tous les gens qui étaient présents à ce moment-là, quoi. Au moment de cet accident. On aurait peut-être ramené tout le monde hein, pour rétablir quelque chose. On arrive à la station ou pas? Je sais pas, moi, c'est pas toi qui conduis, donc j'attends qu'on me dise ce que vous faites. Si, on roule là et on va aller jusqu'à la station pour retrouver la fille. Hein. Ok, vous arrivez à une station service. Ils sont comment? Il y a rien de barricadé A priori, non. Bon bah je sors. La fille elle est pas là? Non. Bah... Je me... Non. Elle traverse pas la route comme l'autre fois. La dernière fois vous êtes venu directement à la station service là, vous avez pas à l'abri quand même un certain temps. Hein. Ah purée, je me fous dans les toilettes. Dans la forêt. Tu vas dans je jette un coup d'œil rapide aussi à l'intérieur là. Ouais, okay. Je suis pour récupérer... Vite. Tu vois personne à l'intérieur. Est-ce que la moto est encore là? La moto est là, ouais. Ah, il devrait être là pourtant. Ouais, c'est déjà barré la fille. Moi j'ai couru dans les toilettes. Y'a personne dans les toilettes. Il y a un truc sur le temps qui a avancé. Hein. Je vais aller voir la voiture parce qu'il a pas voulu qu'on rentre dans la voiture pour filmer, mais je fouillerai bien l'intérieur moi. Tu veux la voiture? Ouais, Matt, viens avec moi, j'ai pas envie d'être seul. Ok. Non, je reste dans le van avec les clés sur le contact. D'accord. Et moi, je vais essayer de démarrer la bécane s'il y a les clés. Je regarde vite fait s'il y a les clés de la voiture, de la moto. Ah, mais dis, tu me suis ou pas? David, y a pas les clés sur la Harley. Matt. Ça se démarre. Matt et Emily, vous approchez de la voiture, ouais. Elle est là. On peut arriver à rentrer à l'intérieur? Visiblement, la porte est fermée.
Crochetage. Matt, tu sais rentrer dans cette voiture ouais, j'ai des outils, mais je sais pas. Attends, je voudrais observer à nouveau l'endroit du choc. Tu vois que le radiateur est enfoncé comme si il avait heurté quelque chose et qu'il y a effectivement des traces de sang. Je vérifie si dans le coffre. Si dans le coffre il a toujours le cerf. Le coffre est fermé. Ah merde. Faut qu'on ouvre cette voiture, Matt. Sinon on fracasse la vitre, attends, on n'en est plus à ça près. Tiens, y'a rien de lourd à côté de nous. Oui, il peut y avoir un bout de fer quelque part, ouais. Bon, vas-y, allez, Matt. On ramasse un truc et je défonce la vitre conducteur. D'accord. C'est pas très compliqué, tu y prends plusieurs fois, mais t'arrives à casser la vitre. Ok, j'ouvre le loquet, j'ouvre la portière et je commence à rentrer fouillé, éclairé partout. Tu vois que la voiture est assez dégueulasse, visiblement pas très bien entretenue, quoi. Il n'y a rien qui te paraît étrange. Il faut se rebarrer et revenir dans la boucle et intercepter la fille quand elle va dans la forêt. Et dans la boîte à gants, il n'y a pas de papier. Écoute, je commence à allumer le moteur. Vas-y, viens, Amélie. Il faut partir tout de suite. Oui, moi je reste pas ici. De temps en temps, on y va, oui. David. Bah, j'ai voulu essayer de démarrer la bécane, mais visiblement. Sans les clés, j'y arriverai pas. Non, sur une Harley. Vous faites quoi là? On se tire, on va repartir dans la boucle. Il faut qu'on réfléchisse. Dans quel sens? On va ou pas? On part. En arrière, on retourne sur nos trucs, sur nos pas. Vous partez en arrière? Ça. Oui, on a changé le temps, hein. Vous avez... Okay. Bah, on gagne du temps, ouais. Ouais. Ok. Vous repartez en arrière. Ouais. La station service. Et ces lumières disparaissent petit à petit dans les rétroviseurs de la voiture. Et encore une fois, il y a quelque chose qui a changé. Il est 23h27. Il faut réfléchir à une théorie. Il se passe 23h28. 23h29. Trace, il faut intercepter la fille. 23h30. Hey, il est 23h30 et je suis là pour vous donner la pêche. Je sors moi. Salut à tous. Continuez à aller chercher la petite. Ok, vous êtes arrêté. Moi je sors de la. Ah mais 30 secondes, on le laisse dehors et on part. Et il trace. Ok. Donc vous. Toi tu sors et vous faites quoi? Vous faites demi-tour? Non, nous on. Non, on trace sur la station service pour chercher la petite. C'est ça. Et toi, tu restes là? Ouais, moi je vais aller voir le cadavre de la petite là. Ok. Très bien. Je vous la montre. Donc vous partez à la station service? Oui. Ok. Lorsque vous arrivez à la station, vous la voyez qui court et qui va traverser la rue. On l'intercepte. Attends. Ouais, on l'intercepte. Ok. Vous avez le temps de l'intercepter. On a trouvé ton ami, il faut absolument que tu viennes avec nous. Comment ça, vous l'avez trouvé, elle est où? Il faut que tu viennes avec nous, mais... Mais elle était où, dans les bois? Elle a une montre. Bah oui, elle a une montre, oui. Ok, viens avec nous dans la voiture. Tu la connais d'où, ton ami? Bah c'est ma copine, depuis toujours. C'est quoi, depuis toujours? Elle est avec... T'es de ce village là, de Oxville? Oui, je suis de Smallton, on s'est cassé, on en avait marre, on a fait une fugue toutes les deux. Vous êtes partis quand? Elle a jamais été. Ah, il y a quelques jours, mais on avait plus de thunes alors. Elle a appelé son père à la station service, mais il est pas venu ce con, donc on s'est barré dans les bois, et après c'est ce que je vous ai raconté. On a vu ce con on a vu ce truc, on l'a pris pour Moonface, du coup moi je suis parti me planquer, elle est partie dans la forêt. Et après je l'ai plus vu. Elle est où? Ok, viens avec nous. Okay. On l'a trouvé un peu plus haut, là, faut que tu montes avec nous, viens vite. On remonte en arrière. Elle monte avec vous. Vous arrivez là. Vite, descend. Elle descend avec vous. Va en bas. Mais c'est quoi, ça? Qui s'est passé quoi, là? Avec moi, le... Ouais, toi, t'es pas loin d'elle, ouais. Au cadavre, là, je veux lui enlever la montre. Tu peux, ouais. Tu l'as avec toi? Et je veux changer le temps de la montre. Ok. Je veux voir si elle marche et
Elle marche plus, non, elle était bloquée sur 23h25. Ouais, je la mets à 23h alors. Ok. C'est bon, vous l'avez. Au bout d'un moment, ils arrivent avec la petite. Vous avez appris alors qu'elle s'appelait Jessica entre temps. Jessica. On est vraiment désolé, après toi, quand même, ça va être, à avoir ça, un choc ça, là. Ça mais un choc, tu crois que j'ai pas de choc? Depuis tout à l'heure, il y a un truc qui m'a tué 50 fois là. Ouais, mais là, c'est ta copine là. Elle est regarde. Où Véronica. Regarde. C'est bien elle? Elle se rapproche. Et là, vous voyez qu'elle tombe à genoux et qu'elle commence à pleurer. Elle dit, bah oui, c'est elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait écraser par ce lampadaire. Mais oui. Il y a un truc qui s'est passé, là, il y a eu un animal qui a été percuté et ensuite une voiture qui est rentrée dans le lampadaire et ta copine devait se trouver à ce moment-là. Mais le truc qui est bizarre, regarde, enfin, elle est toute brûlée au niveau de ses jambes. Ça te fait pas penser à la créature? C'est atroce, ma pauvre Véronica. Elle pleure. Tu l'as bien vu, toi, la créature? Faut y aller, écoutez, elle revient. Allez, remonte avec nous. Allez, faut partir. Elle se lève. Elle rentre dans le van avec vous. Allez, on part en arrière. On repart en arrière. Il suffit de faire ça. On part en arrière. Ouais. Ok. Ouais. Marche arrière. T'as la montre, David, hein? Normalement, oui. On part en arrière. Tu l'as mise à 23h. Il se passe quelque chose d'étrange. Il est 23h26. Ah, attendez, si on revient à 23h25, normalement, on va voir la chose. 23h27. Bah ouais. On va voir l'accident. 23h28. Et on peut éviter la chose. Peut-être. 23h29. Mais oui. Attends, est-ce que le temps? Mais oui, mais oui, c'est ça. Mais si, c'est ça. Hop. La gamine vas-y, n'est plus dans la voiture arrière. Et la montre n'est plus dans ta main. Marche arrière. La gamine, encore. Il est 23h30 et je suis là. Pour partir en arrière? Ouais. La gamine est encore avec nous. Bon, partez en arrière. Oui, ouais, okay. On peut demander à la gamine ce qui s'est passé. Ah non, là on va le voir, 25. On va avoir l'accident, c'est Matt qui conduit, c'est oui, ça Oui. Ben ouais. Ok. Il se passe quelque chose d'étrange. De très étrange. Je vais prendre le volant. Matt, ouais. Laisse-moi. Ok. Tu conduis. Je conduis. Ok. On va changer la donne, quoi. Il est 23h25. Tu conduis sur cette route. Ouais. Fais-moi un jet de garder le contrôle. Oh, c'est toi qui vas te viander. Non, moi je me viande pas. Ok. Tu roules. Et tout d'un coup, il est 23h25 pile. Tu roules dans une flaque d'un truc très flasque et très bizarre qui fait se déporter la roue gauche de ta voiture. Le véhicule entier part sur la droite. Tu donnes un coup de volant et à ce moment-là, en fait, tu vois traverser une gamine qui traverse la route et qui part en courant dans la forêt. Et tu frôles un réverbère et tu t'arrêtes. Et le réverbère est toujours là. Hein? Je l'ai évité! Je l'ai évité ou pas? Tu l'as évité, attends, ouais. Attends, et moi. Putain. Je sors de la voiture! Ouais. Et j'appelle Véronica! Tu vois que la gamine s'arrête. Elle se retourne, elle fait. T'es qui toi? Oh Véronica! Et je la prends dans mes bras, vite, vite, c'est ton père qui t'attend! Non, surtout. Ta mais copine te cherche, ça, allez! Ton père aussi, vas-y! Allez, monte dans la voiture, avec vite, mon père? Il est où, oui, mon père? Ça fait des... Non, avec Jessica, vas-y! Elle vient avec vous dans la voiture. Et je démarre. Vous arrivez à la station service. Voilà. À la station service, il y a une moto qui est arrêtée, une voiture sur le côté. C'est la moto de ton père, ça? Je sais pas trop, mon père je l'ai pas vu depuis longtemps en fait. Bon alors on va chercher Jessica en premier. Viens avec moi. Vous la connaissez Jessica?
On était ensemble. En fait, on a flippé parce qu'il y avait un truc dans les bois là. Et... Moi, oui, je suis parti dans la forêt. Elle, je sais même pas où elle est. Face. Viens. Elle te cherche. Je cours avec elle aux toilettes. Ok. Dans les toilettes, c'est une porte qui est fermée. C'est. Il y a une porte qui est fermée de dans les toilettes, la porte où Jessica est, et tu entends des pleurnichements. Jessica, je suis avec Véronica. Jessica, t'es là? Jessica sort, fait bien. Putain, mais tu m'as fait flipper, t'es parti comme une tarée dans la forêt, et moi, tu m'as planté sur place. Elle se retombe un peu dans les bras. Toi, David, t'es venu à la voiture, ouais. Ouais, je regarde devant là. Il y a toujours le. Ouais, l'impact. Il y a un impact. Et du sang. Et du sang. Ok, bon, ouais, je vais aller vite à l'intérieur. Je cours à l'intérieur du. Et vous faites quoi, ceux qui sont dans les toilettes là? Moi, je suis rentré. Moi, je suis pas dans les toilettes, hein. Je suis rentré dans la station service pour voir s'il y avait le père de Véronica. Dans la station service, il y a. Un gars avec un masque en train de nettoyer les flaques, il se retourne et qui fait. Ah, je suis désolé, excusez-moi, j'ai cru que vous étiez des locaux. C'est bon, Laszlo, on commence à avoir l'habitude. Il est pas là, le biker? Bah, comment vous connaissez mon nom en fait? Ah, c'est une trop longue histoire. Moi, je rentre... ça sur le compte du paranormal. Il y a un vieux biker qui est en train de choisir des alcools. Monsieur, vous n'êtes pas venu chercher votre fille par hasard? Si, pourquoi? Vous la connaissez? Elle s'appelle bien Véronica, votre fille. Ouais. Venez avec moi, venez. Sans alcool. Vous la ramenez à son père. Et voilà comment s'arrête l'émission de Channel Fear de cette cassette. La fille retrouve son père et lui tombe dans les bras. Et l'équipe de Channel Fear, après avoir fait le plein, colmaté une brèche dans un endroit qu'elle connaît bien du réservoir, reprend la route pour se rendre à Oakwood, où elle va faire une émission. Sauf que finalement, je pense que la meilleure émission, elle l'a quand même fait avant d'arriver à Oakwood, non? On va dire qu'on a rien, tu vérifies, on a rien. Et c'est là que s'arrêtera cette partie de Channel Fear pour vous, mes amis. Et la fin de cette cassette. Putain, on a rien. Tout ça parce que t'as pris le volant. Vache. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais vous l'avez quand même en partie compris. Dans cet épisode de Channel Fear, vous avez été pris dans une boucle de causalité temporelle, puisque... Les liens de causalité sont que Laszlo, avec la voiture de son oncle, a percuté un cerf plus tôt dans la journée. Cerf qui s'est largement épanché de son sang sur la route. Et vous, à 23h25 précise, êtes passé, avez roulé dans cette flaque, avez percuté un lampadaire. Lampadaire qui s'est abattu sur une gamine qui elle-même avait traversé la route juste avant pour fuir une silhouette d'un dénommé Moonface, mais qui n'était en fait qu'un leurre qui avait été fait par les locaux que vous avez vu en photo pour le concours de photos. Et la mort de cette gamine a entraîné cette boucle de causalité qui fait que Moonface, donc la créature qui vous pourchassait, c'était une espèce de projection d'elle qui vous aurait tué pour l'éternité si vous n'aviez pas empêché cet événement. L'accident. Sauf que, au début, vous étiez 5. Il y avait Doug avec vous dans la voiture. En fait, il a toujours été avec vous, Doug. Doug, comme vous, a essayé de se sortir de ce truc-là à plusieurs reprises, sauf que vous avez perdu la mémoire de ça. Et il s'est fait tuer en dehors de la zone de la boucle temporelle, ce qui fait qu'il est pas revenu avec vous en fait.